Sinon, le chat, là, on va partir sur quelque chose qui n'a rien à voir. Ça fait un moment que j'ai envie de le tester. J'ai vu passer des trucs. On va jouer à Supermarché Simulator. Je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas pourquoi, mais on va jouer à ça. Je vais mettre, c'est mon supermarché. Hop! On va découvrir. Supermarket Simulator, je suis trop curieuse. Ouais, j'espère que vous avez fait vos courses. Hein. Alors, je crois que c'est un simulateur de supermarché où tu peux avoir des employés, tu dois gérer tes trucs et tout. Ça a l'air trop bien! On va apprendre à faire les courses, les amis. Supermarket Simulator. Ok, j'ai lancé. Ah, et en plus, j'ai encore du chocolat. Ça tue. C'est sûr que c'est un banger, les gars. De toute façon, tous les jeux de simulateurs sont des bangers. Hop. Oh, vraiment, on passe du tout au tout. Vous allez voir comment je vais gérer mon affaire, ouais. T'inquiète, t'inquiète. Attendez, je me remets bien. Oh, oh. Hop là. Capture de jeu, ce serait cool, s'il vous plaît. De mettre ça. Le son. Oh, c'est mignon! Ok, mais vous n'avez pas le jeu, en fait. Si, vous avez le jeu. Alors, j'adore les simulateurs. Sachez que ça fait partie de mes jeux préférés. J'ai bouffé je ne sais pas combien de jeux de simulateurs. Je suis trop contente de rejoindre ça. Il y a en français ou pas du tout? C'est qu'en anglais? Non, langage français, on apprécie. Nouvelle partie. Le son peut monter, non? Bienvenue sur Supermarket Simulator. Très bien. Vous commencerez avec un petit magasin et l'agrandirez pour devenir un superbe supermarché. Ok, ok. Objectif. Auchan. Carrefour. Je sais pas, c'est quoi le mieux? Commencez par acheter des produits à vendre et placez-les sur les étagères. Je présente ce que je veux, genre. Fixez les prix avec un bénéfice pour éviter la faillite. C'est chez moi, genre. Oh, ça tue. Je monte le son ou pas? Dites-moi. Je mange quoi? Un lapin en ligne, ton chocolat. Oh, venez! Monsieur! Attendez, venez à mon supermarché! Ok. N'hésitez pas! Plein de promos actuellement dans le supermarché ouvert, le Barba Market. Avec ce supermarché, vous n'en reviendrez pas! N'hésitez pas à faire un tour! Pour 2 cassoulets achetés, le 3e offert! Venez faire un tour au Barba Market et vous reviendrez tous les jours. N'hésitez pas à venir. Venez au Barba Market. Oyez, oyez, monsieur. Waouh, 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 waouh. Alors vous, si vous n'êtes pas un plus de 10, je m'y connais pas. Et seuls les plus de 10 vont au Barba Market. Là-bas, au coin de la rue, monsieur. N'hésitez pas, cette cravate est dégueulasse. Vous pourrez peut-être en acheter une nouvelle au Barba Market. Oh, connard. On veut pas de vous, de toute façon. Gagnez trop d'argent pour nous. On n'aime pas ça. Vous allez salir mon magasin. Pas de réduc pour vous, monsieur. Mimi. Très mimi. Alors. Donc là, faut acheter. Ah ! Je peux avoir des chocs qui piquent ! Oh non, c'est adorable. Ok. Pandémie. Farine. Une huile des pieds, c'est important, je pense. On a combien d'argent ? Oh, on n'a pas beaucoup. $50. C'est ça que vous achetez. On achète 12. Mmh. 12 à 35,88. Ah, va falloir mettre ça très cher. Ça, on les met à combien? On les met à 4,99. Hein. Mmh. Bon, les pâtes, les gens en ont tous besoin. Ensuite, les chocs qui piquent, les gens, ils en ont tous besoin, les gars. L'huile, les gens en ont tous besoin. Ok. Les chocs qui piquent, je suis désolée, pour moi c'est le banger. Quoi? Non, c'est trop cher. Mon banger. La farine. Le pain. Et de la farine. Je pense qu'on est bien. Ok. Pouah, on va créer un empire, les gars. J'attends ma... Oh, ils sont déjà arrivés, putain, Amazon. Hein. Alors... Oh, j'adore. Oh, j'adore. Comment je range? Alors, hop. On va mettre la farine devant. Je trie? Je dois trier, peut-être? Le pain. Le pain, attendez, il faut donner l'impression qu'il y a énormément de produits.
Genre vraiment, on a beaucoup beaucoup de produits, il y a toutes les étagères qui sont remplies. Ça, tu vois, ça donne l'impression au client qu'il en a pour son argent. L'huile. Alors celle-là, on va les mettre bien devant, tu vois, comme ça. Comme ça donne vraiment l'impression qu'il y a plein de choses sur les étagères. Ok. Maintenant, les pâtes, et bah parfait, on va faire pareil, on va faire la même technique. Vous voyez, ça, j'appelle ça une technique de vente océan vert. Et là, on attend les clients. Ah non, faut que je mette les prix. Prix du marché, 3,71 la farine! Oh! Mais l'inflation! Séphie, tu sais combien j'ai acheté la farine à l'unité? 3,71! Mais c'est tellement cher! Ça, c'est Macron encore, hein? Ouais. Ah non, pardon. Si! Prix du marché. Ah non, pardon. Je l'ai acheté 0,79 centimes et je la vends 3,71. Oh la bâtarde! Oh! Allez hop là! Attends, c'est le prix psychologique. Parfait. L'huile, wesh, on peut la mettre à 4,50! On va la mettre à 4,99. Psychologique. Parce que c'est pas 5, c'est en dessous de 5, t'as l'impression que c'est ok. Ok, les pâtes. Non mais le paquet de pâtes à 3,12, mais on est dans quel... Non mais non, c'est... Oui. Et les prix augmentent. 3,12, bah ça c'est pareil. Des pâtes, tu vois, par exemple, psychologiquement, je ne mettrais pas 4 euros dans un paquet de pâtes, mais 3,99 peut-être. Peut-être. Quoique non, 3,49. Vous avez raison. 3,49 psychologiquement. Je me dis, ah, c'est cher, mais t'as raison, Phoenix. C'est plus smart. Le pain. Alors, le pain, c'est très cher. Le pain, tu vois, moi, je mets même un 4,98 en mode, putain, je fais une affaire. Maintenant, j'attends. Oh, il faut que je mette ouvert. Attends, bonjour, bonjour, enchanté, bonjour. Ah, bienvenue. Bienvenue dans notre magasin. Vous voulez de la farine, c'est très bien. C'est vraiment un super choix. Félicitations, monsieur. J'adore. Alors, faut que ce soit moi qui bip. Oh, j'adore, je scanne. Bip. Merci pour votre argent, monsieur. Je rends combien? Rendu. 41. Hop. Et 2 centimes. Il fait beau aujourd'hui, monsieur, quand même, hein. C'est agréable, ce petit temps, hein. Et comment vont les enfants? Ouais. Ouais, bah vous savez, moi, avec mon lumbago, hein. Alors, voilà, la monnaie. Ah, bonjour, madame. Hop. Bonne journée, monsieur. Bonjour madame, vous allez bien? Comment va votre mari? Ah, vous payez par carte, attendez, hein, le TPE est un petit peu réfractaire de temps en temps. Hop. Hop. 3. 49. Attendez, excusez-moi, c'est un nouveau TPE, on en teste des nouveaux, madame, c'est... 3. 49. Bonne journée madame, bonjour! Comment est-ce que vous allez? Vous avez la carte de fidélité? Non? Hop, merci, je vous rends la monnaie tout de suite. Alors. Hop, 4... Ah, vous pouvez récupérer l'argent en faisant un clic droit sur les billets dans la caisse. Ce que je fais. Attendez, je me suis trompée. C'était ça? Je vais pas donner trop d'argent. Oui, bonjour madame. Oui, on vient d'ouvrir, en effet, voilà, on va se voir tous les jours. J'ai fait quoi? J'ai donné trop d'argent. Attendez, attendez, excusez-moi, il faut... Putain, merde. Rendu monnaie. Je l'ai remboursé. J'ai remboursé le... Oh non, je vais me faire virer. Oh bonjour, j'adore votre t-shirt. Par carte, oui, bien sûr, monsieur. Oh, je vais me faire gronder par mon patron. Bonjour. J'adore votre rouge à lèvres. Merci. Voilà, bonne journée. Putain, faut que je rattrape le client. Excusez-moi! Excusez-moi! Je vous ai rendu trop d'argent! Monsieur! Monsieur, excusez-moi! Non, c'est pas vous. Excusez-moi! Je vais me faire virer. Premier jour, je suis virée. Ah, fait chier.
Mais pardon, pardon, pardon. Alors, ah, de la farine. J'aurais fait ce choix également. Ah, on vous a dit, déjà dit que vous ressemblez à... Comment il s'appelle déjà? À... Quoi? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu rigoles? Je vois bien que j'ai faim, ouais. J'arrive... Attendez. Je l'ai sur le bout de la langue. Attends, il a pas acheté du sel. C'est marrant, vous achetez de la farine. Ok, ok. Non, mais... Putain, la note, elle est salée, monsieur. Hein. Bah, je vous souhaite une bonne journée. Ah non, attendez, excusez-moi, faut que je vous rende quelque chose. Allez. Bon sel, hein. Oui, bonjour, madame. Alors, des petites pâtes, de la farine. Ah bah, dis donc, on va se faire des petits gâteaux, non? Putain, elle marche bien, mon entreprise, les gars. Bonjour, monsieur. Vous avez jeté tout pareil. Ça vous dirait pas des chocs qui piquent? Parce que c'est la prochaine chose qu'on va avoir, donc n'hésitez pas à revenir. Vous avez pas la carte de fidélité, peut-être? Non? Au revoir, bonne journée. Bonjour, monsieur. Ah, ça va se faire des petites pâtes ce soir. Ah ouais, ça va bien graille, hein. Allez, je vous rends la monnaie tout de suite. Hop là. Alors, celui-là, non, il est tombé par terre, madame. Je vous déconseille. Ah bah, allez-y. Bonjour, un sourire, ça vous empêcherait pas d'être aimable? C'est pas grave, je prends la carte, oui, bien sûr. Vous avez pas la carte de fidélité, peut-être? Non. Allez, et bon vent. Ah bah, il veut quoi, lui, avec son petit nœud pape? Ah bah, on est mignon comme ça, monsieur. Dis donc, ça vient prendre ses petites pattes. Vous inquiétez pas, on aura des sauces bientôt. N'hésitez pas à le dire à vos clients. Collègues, amis, famille, tante. Oui, bonjour, vous êtes déjà venu, en fait. Je juge un peu vos courses, madame. Excusez-moi, j'ai pris le temps. Alors, 4,99. Vous n'avez pas la carte de fidélité? Non, bonne journée, à demain. Oui, bonjour. Des pâtes également? Allez, pâtes et pain. Allez, hop, ça, c'est tout le glucide. On est bien. On aura bientôt des nouveaux réapprévisionnages. D'ailleurs, n'hésitez pas, on a beaucoup, beaucoup de réductions qui arrivent à partir de demain. C'est une dinguerie. On va avoir des chocs qui piquent. C'est quelque chose de oufissime. Voilà. Bah, vous-même, en fait. On est où, là? Hein? Et c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? C'est pas comme ça qu'on parle aux gens, en fait! Crazy, lui! Bonjour, excusez-moi, c'est pas tous les jours facile. Un peu d'huile. D'accord, un peu d'huile, hop. Alors, oula! Ah bah, je vois que monsieur se fait plaisir. Ah, vous êtes le plaisir des caissiers et des caissières, vous, hein? Hop. Voilà. Allez. Et bonne journée. Hésitez à revenir d'ailleurs. Bonjour. Vous ressemblez à un homme politique. Et ce n'est pas un compliment, monsieur. Hop. Alors, je vous rends une petite monnaie. Vous êtes tous très très agréables, dis donc, hein. Ah, bonjour. Vous avez une tête à s'appeler à Hervé, nous, vous, non, hein? Hervé. On paye en carte? Ok. N'hésitez pas à le dire. 3,49, on y va. Hop là. Tu lui as rendu trop? Ah. Dommage. Bref, j'ai des courses et du réappro à faire. Allez. Un petit dernier client, bonjour, n'hésitez pas. Ah, voilà. Bah, c'est ça qu'il faut faire. Faut crier dans la rue pour que ça vienne, en fait. Du pain, très bon choix, monsieur. Ouais, super. Alors, on va se faire des bons petits sandwichs, là. Sandwich à l'huile. Ah, je connais, ouais. Je connais quelqu'un qui fait des sandwichs aux chips. Donc, écoutez, on va pas juger grand-chose. Allez, du pain, de l'huile, du pain, par carte, parfait. Ça m'arrange, monsieur. Moi, je vais bientôt fermer. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Demain, on aura des chocs qui piquent. Bonjour. Alors, on va bientôt fermer? Ah putain, il faut que j'encaisse encore cette client. Bah alors non, on va pas bientôt fermer. Bonjour, monsieur. Ah bah alors là... Ah oui, on a récupéré tout le pain. Oula, on va bientôt plus rien avoir. Attendez, excusez-moi, j'arrive. Bah écoutez, on va avoir un nouveau... Ah, des nouveaux trucs. Hop là. Alors, j'ai un réappro. J'ai pas une lumière dans ce magasin? Oh. Ah bah, j'arrive. Attendez, bah évidemment de la monnaie. Je vous rends 5, hop. Bonne journée, bonjour. Du pain... Ok, un sandwich aux pâtes. Vous payez comment? Très bien. Ouais, mais allez-y, encore plus, non? Merde. Je peux pas récupérer? Comment je récupère? Ok. J'arrive, je suis un peu en galère. Il va me saouler, lui. Allez, hop, bonne journée.
Je n'ai pas trouvé panzani pâte. C'est normal, il n'y en a pas. My God. Du pain. Bonjour, merci. Vous, vous êtes bien agréable au moins, monsieur. Je n'ai pas trouvé pain de mie. C'est normal, on n'en a plus. C'est marqué. Apprenez à lire. Bonjour, monsieur. Ah, je vous en prie, prenez tout. Toujours le même t-shirt, hein, ça n'a pas changé. Allez, 4,99. Encore un petit peu. Allez, il manque des clients. Bon, attends, on va faire un petit réappro parce que là, c'est chaud. Marché. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment? On va leur mettre un peu de sucre. Un peu de sucre, un peu de pâte, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Hop là, alors là, ça, 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 c'est des clients heureux. Putain, c'est fermé. Ah. Ah, bah on voit bien mieux. Ah bah alors là, on voit bien votre joli minois, monsieur. Hein. C'était pas nécessaire, mais 9,98. Attendez, j'ai des chocs à pic qui attendent dans l'allée. Et nous, on est encore ouvert, monsieur. Vous connaissez beaucoup de magasins qui font ça? Oh non, il est adorable, le truc de chocs à pic. Alors ça, je le vends bien cher, crois-moi. Crois-moi, la petite fringale à 21h, là, il est quelle heure? Oh merde, c'est fermé. Wesh, le paquet, il a 5,98, c'est si cher. On est en promo, on va mettre 7,49. N'hésitez pas à venir, on a des chocs qui piquent. Oyez, oyez! Vous pensez qu'il y a une facture d'électricité? Oyez, oyez! Personne qui vient. Produit trouvé trop cher? Excusez-moi, dans quel monde en fait? Dans quel monde je suis trop cher? Ah, une facture? Ah bah. Excusez-moi, j'ai encore un truc. Ah bah alors là. Les factures quotidiennes. Quoi? Mais on va jamais allumer, vous êtes malade. C'est open ou pas? Jamais de la vie j'allume. Vous êtes fous. Ok, attendez, on va reprendre du pain de mie. On va reprendre de l'huile, des pâtes. Hop là, on va se mettre à zéro. C'est la technique, vous inquiétez pas, je suis très forte. Ok. En fait, non. Attendez, attendez, en fait, j'ai menti. Mais c'est une blague, là? Mais c'est une blague, c'est toi qui as fait ça? On se fout de la gueule de qui, en fait? Mais qui est-ce qui a fait ça? Mes cartons? Eh, franchement, je vais appeler Amazon, hein. J'arrive, monsieur, excusez-moi. Je vais l'appeler. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait dehors, là, comme ça? Et c'est pas la première fois, hein. Je pense que c'est toujours le même livreur. Et bah, à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Et bah, je mets mal ma farine. Putain! C'est terrible. J'arrive, monsieur, j'arrive, excusez-moi. Mais mes cartons! Mais c'est toujours pareil avec vous! C'est toujours ça! Parisien! Pardon, madame. C'est du pain? Oui. C'est très grave, franchement. C'est toujours les journées comme ça qui commencent. J'en ai marre. Et hop, mon carton. Excusez-moi, pardon, madame. Je réapprévisionne, je suis à vous tout de suite. Attendez, attendez. J'arrive. Bon, bah, ça peut pas être pire de toute façon. Bonjour, excusez-moi pour le retard. On vient d'ouvrir. C'est un petit peu le stress. Je suis toute seule à la caisse, mais c'est pas grave. Je suis à moitié en crise d'angoisse. Mon mari m'a quitté. Il est parti avec mes 15 enfants et ma... mère m'a renié, mais tout va bien, on a des chocs qui piquent. Et voilà, bonne journée monsieur, bonjour, j'adore votre haut, il est très fuchsia, en réalité je mens, il est dégueulasse, bonne journée. Mais n'hésitez pas, 7,49, bonne journée madame, on n'a toujours pas de carte de fidélité, bonjour la farine toute seule, c'est super, vous allez faire un magnifique gâteau. Hop, je vous rends la monnaie, bonne journée, au revoir. Putain, mes cartons. Et 1, 2, 3, 4, 5, oui, évidemment. Oui, 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 je vais le mettre à côté. Oh, oh, ouais, à côté. Eh merde! C'est pas grave, ça donne une illusion. J'arrive tout de suite, monsieur, excusez-moi, on est en plein réassort, vous comprendrez? Hein, vous attendrez un minimum? On va pas faire chier non plus, je suis toute seule dans mon épicerie. Déjà, c'est bien qu'il y en ait une en dessous de chez vous. Hein? Hop. Et du susu. Un dernier carton, j'arrive. Eh ben voilà, on va les mettre là. Pardon, pardon. Eh ben voilà, on met en dessous. C'est super. Bonjour, excusez-moi du retard. Du pain, c'est super, bon appétit. Le complet est mieux, mais on l'aura bientôt. Je vous rends rien. Je vous rends rien. Faut que je mette les prix. Ah ben voilà, des chocs qui piquent. Alors ça, c'est notre banger. Hein. J'ai bien fait de le mettre super cher. Bonne journée, au revoir. J'ai pas mis le prix du sucre, du susu. C'est combien? 4,83. Tu m'entends? 4,83. On va les mettre à 5,99. 98. On a tout mis. Oui.
Bonjour, bienvenue au Barba Market. Voilà, merci, ça fera 3,99€, je tape votre code comme d'habitude, bonne journée, au revoir. Putain, toujours l'autre là avec son t-shirt moche. Non, on les voit, ils essayent de m'arnaquer en me donnant des billets de 100 là. Je les vois, hein. Sinon, un sourire, c'est pas dérangeant. Non, parce qu'en fait, je suis désolée, hein, mais tendre la carte comme ça, enfin, je suis un être humain. D'accord. Derrière cette caisse, je suis un être humain. On ne tend pas les cartes comme ça aux gens. On dit bonjour, merci, au revoir. Bref, paye. La politesse, ça vous arrache pas, hein. Bonjour madame. Combien je vous rends? Voilà, encore. On les voit, hein, vous savez. Je sais pas si vous avez entendu à la radio, mais franchement, les arnaques comme ça, heureusement, je vois, vous êtes une bonne personne, hein. Mais le nombre de fois où des gens sont venus me voir, ont essayé de me faire arnaquer comme ça, en donnant des faux billets, c'est une catastrophe. Vous voyez, vous achetez à 10 euros. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben alors, du coup, vous donnez 100 euros. Et alors, le billet que vous me rendez, eh ben moi, je me perds. Voilà. Enfin bon, heureusement, vous êtes gentil, je vous ai déjà vu hier et tout, hein. Mais moi, je me perds, voilà. Franchement, il n'y a plus d'honnêteté, ma bonne dame, hein. Allez, bonne journée, ma belle. Bonjour. Allez, je vous rends ça. À demain, monsieur. Bonjour. Des petites pattes, on adore. Franchement, moi aussi. Bah, je vous rends rien. Je rigole. C'est une petite blague entre vous et moi. Qu'est-ce qu'il a dit derrière? Je vous ai entendu, monsieur. Hein. Je vous ai entendu, hein. La pièce, elle est petite, hein. Oui, oui. Bonjour. Très bon choix. Je vais augmenter les prix. Alors, ça fera 20,96€, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, bonjour. Hop, ça fera 5,98€, je vous souhaite une excellente journée, hop. Une licence de produit? C'est quoi une licence de produit? C'est quoi une licence de produit? J'ai trop donné? J'ai donné 50 balles? Quoi? Oh non! Je vais me faire virer par moi-même. Oh non! Une licence? Ah. Et c'est 200 dollars. Putain, mais... bonjour, excusez-moi. Alors, de la farine, bonjour, merci beaucoup. 7,98. Putain. Oh, le désastre. Je vais faire faillite à cause de moi-même. 1,51. Vous voulez dire que j'ai confondu 50 centimes et 50 euros? J'ai trop ça. Voilà, merci beaucoup. Bonjour. J'adore votre t-shirt. Très nerd. Vous êtes un peu un geek. Au revoir, hein. Très beau crâne, nonobstant. Bonjour. Ah, il fait pas beau en ce moment, hein. 1 centime. Vous auriez pu me les laisser. Mais c'est pas grave, hein. Bonne journée. Alors croyez-moi, au prix de la lumière, vous pensez que je vais éclairer? Jamais de la vie. Je suis nyctalope dans ce cas. Je suis bien nyctalope, y'a pas de problème. Bonne journée. Bonjour. Très bon choix, monsieur. Ça fera 12,48€. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Il est quelle heure? 8h. Bienvenue au Barba Market, le market qui est ouvert tous les jours et presque toute la nuit. N'hésitez pas à venir, le Barba Market ferme dans 30 minutes. Il est venu comment, lui? Oh, la dinguerie. Bonjour, excusez-moi, je vous ai pas vu. Hop. Ah, faut jouer de la thune. Hop. 5. Et voilà, bonne soirée, monsieur. Bonjour, ah c'est des grosses courses dis donc, hein. On se fait des petites pâtes à l'huile. Ça vous fera 16,96€, bonne journée, au revoir. Ah je peux fermer je pense. Et c'est fermé, encore une bonne journée. Bah c'est fermé, vous voyez pas, c'est écrit en fait madame. Mais c'est pas grave, je vais faire une exception, mais s'il vous plaît, demain faites attention. On peut pas faire ça tous les soirs, vous comprenez bien. Hein, parce qu'après moi il faut que je compte ma caisse, d'accord, ensuite il faut que je nettoie. Hein, vous voyez là vous me prenez du temps donc je vous prends du temps, il n'y a pas de problème. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne quand vous venez alors qu'on ferme dans 2 minutes. C'est pas oh ça ferme dans 2 minutes je peux venir. C'est en fait il me reste 2 minutes où je peux nettoyer un petit peu, ranger, fermer, rentrer voir ma famille que je n'ai plus parce que mon mari est parti avec mes 3 enfants et ma mère m'a déshérité. Et ensuite je dois compter la caisse. Donc s'il vous plaît vous respectez les gens qui travaillent en magasin et vous ne venez pas 2 minutes avant la fermeture. Voilà merci beaucoup.
Bref, je vous dois un centime, ça aussi, vous auriez pu l'éviter. Au revoir. Allez, prochaine journée. Ah ouais, non, c'est pas ouf, j'ai pas fait de thunes. J'ai un trou dans la caisse, les gars, je suis dans la merde. J'ai vraiment une question, une collègue comme ça. En même temps, il faut qu'on en parle. Les clients, les gens qui viennent, genre, tu fermes à 21h, ils viennent à 20h58. On vous déteste quand vous faites ça. Voilà, je vais le dire, j'ai travaillé en vente, j'ai travaillé en magasin, j'ai été caissière. On vous déteste. C'est trop chiant. Parce que toi, les deux minutes, tu voulais en profiter pour ranger, faire ton réassort, travailler ton truc pour le lendemain, commencer à compter ta caisse, ranger tes tickets de CB. Et non! Et en plus, il reste bien longtemps, il te pose plein de questions. On passe 5 minutes, ne vous inquiétez pas. Ou non! Passe demain! À une nouvelle journée! Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Putain, ils ont dévalisé quoi? C'est quoi là-haut déjà? Il n'y a rien là-haut. Vas-y, on va racheter, on va se faire de la thune. Bah, du coup, il n'y a pas de licence parce que j'ai pas assez de thune. On va s'acheter. Les Chocipics, ça marche bien, mais le sucre, bien aussi. Les pâtes, c'était bien. L'huile, il y en a encore beaucoup. La farine, ça part bien. Le pain aussi. Et on va reprendre des Chocipics. Allez, hop là. Allez, on va chercher tout ça. Dans les restos, quand la cuisine ferme dans 10 minutes. J'ai très peu... Waouh, c'est joli, là, on dirait un creeper. Très peu travaillé dans les restos. On peut pas en prendre plusieurs en même temps? Putain. Mais ma mère a beaucoup eu ça, et à chaque fois, en mode... Elle a le sourire, tu vois, mais en mode, oh, s'il te plaît. Hop là, poubelle. Pas de tri, ici. Petit réassort. Une bonne épicerie, c'est une épicerie qui est bien remplie. Allez. Putain, ils reviennent tous en plus, hein. J'ai fidélisé la clientèle. J'ai fait quoi? J'ai... J'étais du pain. Il était pourri. Il était pourri, d'accord. Je peux pas le récupérer. Je peux pas récupérer le pain. Le pain. L'épicerie, il était pourri les gars, il y avait une, en fait il y avait un rappel de marchandises. Il y avait la écolie dedans et il y avait un rappel les gars. Allez, c'est ouvert. J'ai très bien une petite ambiance moi. Venez tous au Barba Market. Alors vous madame, vous êtes quelqu'un de goût, vous êtes merveilleuse, vous seriez parfaite au Barba Market. J'en avais rien à foutre, t'es trop moche pour mon magasin, de toute façon! J'ai laissé ouvert. S'il vous plaît, venez. S'il vous plaît, venez. Bonjour, 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 bonjour! Enchantée! Ouais, très bon choix. Très, très bon choix, j'adore. Alors moi, j'aurais pas pris ça. Non, j'aurais plus pris les pâtes. Pain de mie est trop cher pour moi. Est-ce que ça m'intéresse? Non. Hop là, ça fera 9,98, merci beaucoup. Et avec le sourire, madame. Bonjour, très très bon choix également. Je vous conseille ça avec une petite carbonara ou de la bolognaise. Ouh là là, attention, mais vous êtes jumeaux. Chocipic céréales est trop cher pour moi. Mais monsieur, en fait, je suis désolée, mais est-ce que je vous ai demandé... Excusez-moi, monsieur, hein, je m'occupe de vos jumeaux. Votre jumeau qui est d'ailleurs votre jumeau un peu maléfique, j'ai l'impression, parce que vous, vous êtes merveilleux, hein, je vous passe en même temps, mais... Enfin, est-ce que j'ai demandé... C'est une réflexion qui est non nécessaire. Bref, si tu veux l'acheter ailleurs, tu vas l'acheter là-bas. Ici, c'est mépris. Je fais ce que je peux, d'accord? On est un petit commerce, on essaie de survivre. Nous, on se fait bousiller par des commerces comme Auchan. Excusez-moi, monsieur, je vous rends la monnaie, hein, 4 centimes. Oui, éduquez vos jumeaux, s'il vous plaît. On se fait bousiller par des commerces comme Auchan, comme Carrefour, donc on essaie de survivre, d'accord? L'inflation, c'est compliqué, donc si c'est trop cher, c'est trop cher. Maintenant, pensez à nous. Maintenant, je vois votre costume, d'accord? Merci pour votre carte, ça fait 4,98. Je vois votre costume, je vois que monsieur gagne quand même bien sa vie. Je pense que c'est pas un pain de mie qui va vous déranger. Enfin, bref, pensez-y, à la prochaine fois, bonne journée. Bonjour, votre crâne est sublime. Bref, je m'égare. Merci beaucoup. Waouh! Mais le quartier, il est riche, hein? Alors. Alors, 50. 90. Excusez-moi, parce que je suis un peu fatiguée, j'ai mal dormi la nuit dernière. Ok, c'est bon. Bonjour, madame.
Alors, je vous rends 2 et 2 centimes. Bonne journée. Bonjour. Juste du pain, vous voulez pas prendre un peu de Chocipic? Non? Très bien. Alors, ça fait 4,98. Hop, et voilà, je vous souhaite une excellente journée. On n'a toujours pas la carte de fidélité, mais vous inquiétez pas. Oui, bonjour. Vous n'êtes pas changé depuis hier? D'accord. Ah, bah, elle. Ah, oui, bah, on aime les Chocipic. Hein. Bientôt, je vendrai du lait pour aller avec. Donc, n'hésitez pas. J'ai toujours pas la carte de fidélité, mais ça viendra bientôt, madame. Ne vous inquiétez pas. Hop, ça fera. Je vous rends 30. Oups, pardon. Voilà, voilà. Oups. Excusez-moi, je. C'est la fatigue. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Bonne journée. Au revoir. Chocipic à lui, c'est pas ouf. On sait que je suis trop chère. Bonjour. N'hésitez pas à acheter avant que je baisse les prix. Sur les... Ouais, parfait. Parce que ça, je vais baisser juste après, en fait, madame. Top. Ça, vous pensez qu'ils sont trop chers? Regardez, on va mettre moins cher. Hop, j'arrive, madame, je baisse les prix. Le sucre, ils aimaient pas trop, c'était trop cher. 49. Oui, bonjour. Alors, de huile. Putain, vous en consommez beaucoup. Moi, j'arrive pas à finir les bouteilles. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Bonjour. 2 bouteilles d'huile aussi, vous êtes amis, n'est-ce pas? Parce que la cliente d'avant, en fait, elle a acheté la même chose. Hop, je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Bonjour, un paquet de farine, c'est super, c'est une très bonne farine. Vous faites des gâteaux peut-être? Non. D'accord, super. Oh, il est revenu, lui. Oui, bonjour. 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 Oh putain, il a dévalisé mon stock, j'adore. Oh bah on fait des grosses courses aujourd'hui, monsieur. Hop, elles sont très bien ces céréales, hein. Elles sont parfaites, hein. Merci beaucoup, et je vous rends pas de monnaie. Au revoir. Putain, il a tout pris. Très bon choix, ce pain. Je vous conseille l'huile aussi. Elle fait ravage. Très beau, ne pape. Vous êtes chanteur, non? Mouais, 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 mouais. C'est ce que je me disais. Ça vous fera 19,02€, merci beaucoup. Oups, pardon. J'ai failli vous mettre 190. Ça aurait été compliqué hein, pour des Chocapic. N'hésitez pas à rire à ma blague. Bonjour. Ça vous fera un total de 6,98 huile vitae. Oh pardon, j'ai contrepété, mais au revoir. Le pain de mie est trop cher pour moi. Bah je m'en fous en fait. Et pourtant vous prenez l'huile et pourtant c'est la plus chère, ça dit donc hein. Tendez-le peut-être avec plus de gentillesse. Vos créoles sont dégueulasses. Bref, au revoir. Bonjour. Très bon choix. Il y a quelque chose avec de l'huile aujourd'hui ou... 9,98, hop, passez une bonne journée, excusez-moi, j'ai une licence à acheter. Super, oh, j'ai des nouveaux produits, les gars, oh, je suis trop heureuse. Oh, qu'est-ce qu'on a? Ouah! Mais les bouteilles d'eau, mais bien sûr de la... Mais bien sûr! Oh, ça tue. Café, non, le lait. Je leur avais promis le lait. Oui, j'arrive, j'achète des produits, monsieur. J'avais promis pour le lait. Alors là, on a une petite merveille qui vient d'arriver. Je vous encaisse, monsieur, et ensuite je vais juste chercher... Madame, je vous fais patienter 5 minutes. Je vais chercher des produits dehors pour éviter qu'ils pourrissent. Vous comprenez bien, je suis toute seule. C'est un peu compliqué, mais bref, on fait ce qu'on peut. Hop. Et 54. Et voilà, j'arrive tout de suite, madame. Je vais chercher mes produits dehors. Je serai à sortir. Fridge. Oh putain, nique sa mère. Et je pose ça comment? Merde, il me faut un frigo, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Bon, j'arrive tout de suite. Oh, j'ai trop le seum. Bah, servez-vous si vous voulez, elle est pas à température. Hein. Alors, oui, oui, oui. Alors là, on a fait des grosses courses. Hein. Par carte, super, je vous adore. Hop, ça vous fera 25,51. On n'a pas la carte de fidélité encore. Au revoir, bonjour. Vous venez vraiment 3 fois par jour. Je vais finir par croire que vous m'adorez, en fait. Vous êtes amoureux, un peu. Hop, la carte 17,94, s'il vous plaît. Et bonne journée, bonne soirée, oui je sais. J'ai pas trouvé, Narvalo, toi-même? Franchement, non, mais est-ce que... Waouh, vous êtes revenu en fait. Je m'excuse pour tout à l'heure. Vous savez, des fois c'est un petit peu compliqué, les clients sont un peu compliqués et j'ai mal pris ce que vous avez pu faire. Donc bonne journée, on se voit demain. Bonjour monsieur, un petit peu d'huile, hop. Et je vous dois 1 centime, vous auriez pu me la laisser, n'est-ce pas? Bonjour, ah bah on a fait des grosses courses, dis donc. Hop, je vous rends rien du tout, au revoir. Non, pas de lumière, vous avez vu le prix de la lumière. Vous voulez pas acheter un truc? Ah, bah voilà!
Les pieds, huile est trop cher pour moi. Mais... Vous savez que je vous entends, en fait. Allô ? Le client de l'aile 1, c'est-à-dire la seule qui existe dans mon petit magasin qui galère à survivre à cause de Macron, de l'inflation, du post-Covid ? Vous voulez qu'on en parle, monsieur ? Avec votre petit costard ? Gardez-les pour vous, ces réflexions. Je vous l'ai pas dit que votre cravate, elle était moche. Et alors que j'aurais pu, merci. Ça fera 3,99. Franchement, il y a un moment, ces réflexions, elles se gardent. J'ai pas la carte de fidélité. Bonne journée. C'est catastrophe. Bonjour, merci. Ça fera 9,96. Presque 10 euros. Oui, les bouteilles d'eau arrivent bientôt, madame. Hop, ouais, je vois qu'on aime les chocs à pic. Hop, et je vous rends 99 centimes. Ah, j'ai raté. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, super, bonne journée, au revoir. Oui, les bouteilles d'eau arrivent bientôt, madame, on est en train de voir pour un frigo. On est en train de réfléchir à acheter un frigo pour le mettre en arrière-boutique, comme ça vous pourrez avoir une bouteille d'eau, donc n'hésitez pas à revenir, je pense, d'ici 2-3 jours, on l'aura. Oula, oh, dangereux, madame, hein. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Hop là, est-ce que je fais un frigo? C'est dans quoi? Non, il n'y aura pas de lumière, les amis. Frigo, c'est combien? 200 balles. Putain, on peut bientôt l'acheter. Yes. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Coucou, Anna. Merci beaucoup. Ça va? La voix? J'ai appuyé là-dessus sans faire exprès. Ah! C'est pour ça qu'elle reste pas. Je capte mieux. Bref. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Elle m'a pas regardé. Alors... Les prix du marché ont changé pour... Ah ben voilà. Et ben voilà. Un jour de plus, les prix augmentent, c'est super. J'ai dû compter, moi. Putain, ils sont à 1,19, franchement. 1,19, tu te rends compte ou pas? Il y a dû compter? Du fromage, ça peut être utile, les pâtes et le fromage. C'est l'inflation, c'est une catastrophe. Catastrophe. Bah écoutez, je vais prendre quand même le fromage. Je vais racheter des pâtes parce que ça se vend bien. L'huile, j'ai l'impression que ça fait un carton. Hop. Et après, on essaiera d'acheter nos frigos. Ah, lui, ils m'ont dévalisé, hein. De quoi il y a marqué frigo? Non, vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Je fais des stocks pour après. C'est des stocks pour après, vous inquiétez pas. Hop, les petites pâtes. Présentoir est plein, hein. Hop, d'autres petites pâtes. Et le fromage. Vous voyez, regardez, je vais le mettre là. Oh, vous savez quoi, ça va attirer les gens, ça. Trop bien, trop bien, trop bien, franchement, trop bien. Qu'est-ce qu'on peut acheter qui peut être bien pour eux? Le café? Waouh, c'est cher. C'est cher, mais ça, je vais faire de la thune. Ça, je suis riche. Riche, riche, riche. Parfait. Il y en a un qui en voulait. Je pense que je peux les attirer avec le lait. Parce qu'ils vont se dire, waouh, il y a du lait, il y a peut-être des céréales, frère. Hop, allez, venez. Je leur ai fait un petit chemin. Je vais leur faire un petit chemin. Hop. Avec les bouteilles d'eau à la fin. Petit chemin, hop là. Là, ils vont savoir. Alors. Parfait. On va mettre les prix différents, hein. Donc, vu qu'il y a une inflation, wesh, 10,48, on va mettre ça à... Tu sais quoi? Je vais le mettre à 11,49, non, 10, 99, 98. C'est les pâtes qui étaient plus chères, on va mettre à 99. Bah oui, ça augmente, hein. Vas-y, on va ouvrir en attendant. Le reste, c'est bon. Putain, j'ai plus de farine. Farine, ça peut être bien. Non, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Je suis une petite émisserie de locale, en fait. J'ai besoin de survivre, j'ai besoin de mettre mes prix. Hop là. Bonjour, j'arrive, je suis en train de terminer. Vous voulez que je baisse un peu le... Ça va, ça va. Hop, alors, on s'est pris un petit café. Ah, c'est marrant, vous savez... J'ai des clients, mais des clients qui chouinent un petit peu, qui disent « Oh, le café, il est trop cher !» Et je vois que ça vous pose pas de soucis. Bah, c'est un plaisir de vous avoir, mademoiselle, en tout cas. Par carte, ok, ça vous fera 15,96. Un ticket?
Pardon, excusez-moi, je suis dyscalculique. Pas de ticket ? Ok, on n'a toujours pas la carte de fidélité. Des œufs, on en aura bientôt, madame. Bonjour, bonjour. Oh bah on a une petite mine aujourd'hui, madame. En monnaie, bien sûr, 3 centimes. Et voilà, bonne journée, vous passerez le bonjour à votre chien. Bonjour, vous êtes jamais venu, vous, hein ? Ah, bah j'espère que vous ne reviendrez pas parce que c'est bien chiant, votre monnaie. Bonne journée, avec le sourire, évidemment. Bonjour, 2 pains par carte, bien sûr. Je vous rends le ticket ou pas ? On n'a pas de carte de fidélité, bonne journée, au revoir. Marchez pas ! Marchez pas dans l'eau ! Putain, y a pas grand-chose, hein. Bonjour, ah, vous venez vraiment 3 fois par jour, je pense vraiment que vous êtes amoureux de moi. Excusez-moi, je grignote en même temps, j'ai pas eu le temps. Mais je t'emmerde en fait, bah reviens pas. On veut pas de toi ici, hein. C'est dingue. Bonjour. Excusez-moi, je finis. J'ai pas mangé encore ce midi, y a pas de pause. Parce que mon travail, on s'arrête pas. Alors, 35 et 53 centimes. Vous voudrez le reçu ? Non, tant mieux, je l'aurais pas donné. Bonne journée. Bonjour monsieur, très bon choix. Hop. Bien sûr, je vous rends 30 et 5 centimes. Bonne journée monsieur. Comptez fromage. Eh ben il est devant. Il est devant en fait. Oui, bonjour, excusez-moi. Évidemment, je vous rends 1 et 1 centime. Bonne journée, au revoir. Quelle facture, quelle facture, quelle facture? Pourquoi vous m'angoissez? Là? Quelle facture? Où est-ce que vous voyez les factures? Vous me faites trop peur. Où sont les factures? Quelle facture? Si je les vois pas, il y en a pas. J'arrive, madame, excusez-moi. Ah, merde. Bah, ça va, toutes les factures sont payées. Loyer. Voilà. Hop, tout est payé. Bonjour! Un peu de café, un peu de Chocipic. Ah bah alors là, c'est un panier spécial petit déjeuner, n'est-ce pas? Alors, je vous dois 4. Et voilà, bonne journée, bonjour. Très belle calvitie, ça vous va, très bien. Ça, vous me devez 4,99. Pas de reçu comme d'habitude, monsieur, bonne journée. J'ai pas trouvé du bourrelet. Je vous emmerde? Bref, vous êtes revenu finalement? Pour faire de jolies courses. C'est super. Et bah écoutez, c'est super. Hop, et je vous dois 2 et 2 centimes. Bonne journée, au revoir. Vous avez besoin de compagnie, n'est-ce pas? Moi aussi. Vous savez, moi, j'ai vraiment très très hâte de pouvoir acheter des petites plantes, un petit miroir. Vous verriez bien un petit miroir ici, n'est-ce pas, madame? Moi aussi. Alors, 10. Et comment vont les enfants? Ah non, vous en avez pas, c'est vrai. Excusez-moi, je vous confonds. Vous avez vraiment une amie, j'imagine, parce que vous ressemblez énormément, qui a des enfants. Donc, j'ai cru. Pardon, pardon. Eh ben, écoutez, la prochaine fois, on dira que vous en avez. Comme ça, on dit qu'on fait comme ça. Allez, bonne journée, madame. Au revoir. Et marchez pas dans le comté, hein. Lui, il a de l'argent, lui. Lui, il a de la thune. Bonjour. Je vous ai déjà vu quelque part aussi, hein. Merci beaucoup. Je vous dois rien du tout. Au revoir. Bonjour. Allez, 52 centimes. Bonne journée, au revoir. Vraiment, les pâtes, c'est ce qui parle le plus, hein. 2 paquets de pâtes. Vous êtes déjà venu hier, monsieur? C'est un paquet de pâtes à chaque fois, 7,98. Vous aimez les pâtes? Et si vous voulez, j'aurai bientôt des d'autres petites choses. Pas de tickets? Personne veut de mes tickets. Ouais, oh, oh, oh! Eh, ça coûte de l'argent, ça! Oh! Mais vous retournez pas, surtout, y a pas de problème! Mon comté... Non, j'ai pas envie d'avoir de caissier. Je peux encore faire mon travail. Personne me remplacera. Bonjour, excusez-moi, j'ai une oreillette. Au revoir. Du thé noir, on en aura la semaine prochaine. N'hésitez pas à revenir mardi, la Réa Pro. Dis pas au revoir. Elle traverse la comté, ouais. C'est Harry Potter. Enfin, c'est Harry Potter. C'est Frodon. Ah, elle vient, elle. Ah, bah je savais. Je savais que vous viendriez ce soir. Vous m'aviez manqué, vous étiez pas là de la journée. Susu. Ah, allez. Hop, ça vous fait un total de 10,98€. Je vous dois donc 9 et 2 centimes. Bonne journée. Bonjour. Vous êtes nouveau ici? Je vous ai jamais vu. Vous habitez dans le quartier? Je m'en fous.
Je vous dois un total de 9,02 €. Bonne journée, au revoir. Excusez-moi, j'ai un achat à faire. J'arrive, j'ai juste un appel à passer. Vous pouvez attendre 2 secondes, merci. N'importe quoi. Hop là. Super. Ah bah alors là, je suis heureuse, hein. Je suis vraiment heureuse. Vous savez quoi? J'ai acheté un frigo. Ça fait des semaines et des semaines, ça fait 9,98 €. Vous avez besoin du ticket et du reçu? Non. Toujours pas de carte de fidélité. On n'en a pas non plus, monsieur. Mais ça fait des semaines qu'on est dans le noir. Pourquoi avoir acheté un frigo? Je suis heureuse. Bonne journée. Bonjour, monsieur. Vous êtes encore revenu? Je commence à en avoir marre. 7,98 €, s'il vous plaît. Et ne revenez pas. Ou alors là, le frigo. Ou alors là, le frigo. Comment je tourne? Ok. Ah, je suis trop heureuse. Le frigo, on va le mettre là. Hop là. Ça tue, ça tue. Bonjour. Alors, oui, il fait un petit peu sombre, désolé, c'est des économies, vous savez, c'est un peu compliqué. 9,96 €, s'il vous plaît, pas de reçu. Hop, très bien, bonne journée. Bonjour, vous avez vu Madame Perrault. Bah, elle est passée ce matin. Ça fait 7,98 €, hop. Elle est passée ce matin, et vous n'imaginez pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, le voisin. Vous savez, celui qui vient tout le temps, dont on a déjà parlé. Eh ben, il est passé. Et il a engueulé sa fille. Et sa fille, vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, ah bah c'est fini, je veux plus venir. Et ouais. Mais elle m'a dit qu'elle me racontera la suite la prochaine fois. Allez, bonne journée. Passez une bonne soirée, hein. Excusez-moi. Bonjour, ça fait 3,99 €. Merci par carte. Pas de reçu, évidemment. Au revoir. Bonjour. Comment allez-vous par carte également? Ça fait 15,46 €. On n'a toujours pas de carte de fidélité. Ça ne serait tardé. Bonne journée, pas de reçu comme d'hab. Très bon choix, madame. Je me permets, hein. Je me permets, vous savez, on est un local de proximité, ce qui veut dire qu'on est en proximité avec nos clients. Très, très bon choix. N'hésitez pas à revenir demain. Hop, merci beaucoup, ça vous fait 4 à rendre. Demain, on aura du lait, on aura du comté, ça ira très bien avec vos petites pâtes. Bonne soirée. J'ai pas trouvé Chocipic, et bien vous faites bien de me le dire, madame. Hop, des Chocipic pour la bonne dame. Et c'est fermé, et c'est génial. Ah, je vais ranger, hein. On va ranger ces petites choses-là. Hop. Bien fraîche. Ça va partir comme des petits pains, tu m'entends? Ça va bien partir, ça. Hop là. Putain, j'ai la place pour mon comté? J'ai la place. Ça fait du fromage tellement il est là. Il est resté tellement longtemps, frère. Oh, j'ai... Oh, c'est parfait, j'avais plus de la place. Je suis trop heureuse. Alors, qu'est-ce qui me manque en réassort? Hop, on est fermé. On va mettre les prix. Comment ça coûte? Comment ça, 2,66 € la bouteille? On va mettre ça à 3,49 €. Ouais, c'est si cher. 3,49 € aussi. Non, on va mettre 3,29 €. Moins cher que de l'eau, frère. 3,99 €, c'est plus cher que de l'eau. Il y a une vache dans l'équation. Et le comté, on va le mettre à 3,78 €. C'est un commerce de proximité, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai besoin de survivre. Qu'est-ce qu'il manque? Chocipic, il faut que j'en rachète. Le café, vas-y, je vais pré-shot une commande. Hop, marché, Chocipic. On a pris café. Le thé, j'aurais pas assez. Déjà, là, j'ai pas assez. Hop. Non, j'allumerai pas la lumière, c'est cher. Ah, et ben on peut ouvrir direct. Je passe une petite commande, on récupérera en même temps, on paye ça. Tout est payé, tout est bon, j'ai plus assez d'argent pour faire mes courses, c'est super, hop. On achète, ça plaît bien au client, ouais. Bonjour, j'arrive tout de suite, madame. On réapprovisionne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le lait est trop cher. Bah, va ailleurs. Va voir la vache directe, en fait. Va à la ferme. Va traire. Il y a des gens qui travaillent ici, madame. Je vais baisser un peu le prix du lait. Trop cher. Allez, moins cher. Allez, on va la mettre à 3,29 €. Bonjour. Comté fromage est trop cher pour moi. Allez-y, vous aussi, allez faire une réflexion. Allez, pas de problème. Mais cassez-vous, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez le dire avec le sourire, au moins. J'arrive. Trop cher pour moi. Bon, on va mettre à 2,99 €. Allez.
Voilà, j'arrive, monsieur, j'arrive. Allez, on va mettre à 2,99. Faut adapter, hein. Ah bah vous avez acheté des choses, finalement. C'est bien parce que c'est vous, hein. Ça va vous faire un total de 9,98, s'il vous plaît. Pas de carte de fidélité, pas de reçu, je suis habituée. Bonjour. Ah bah vous m'avez pris le dernier. Allez, oh, mais vous pouvez pas abuser. Vous allez où, à l'opéra, comme ça? C'est dingue, vous pouvez la donner au moins pour boire, monsieur. C'est dingue, ça, quand même. Abusez. Vous vous rendez compte, vous faites perdre du temps aux gens, comme ça. J'ai pas trouvé. C'est normal, vous avez acheté le dernier. Je suis désolée, monsieur. En fait, c'est juste que en ce moment, c'est une catastrophe. Les gens sont un peu désagréables. J'espère que vous l'avez pas pris pour vous. Ça fait 12,97, hein, by the way. Voici. Pas de reçu, comme d'habitude. Au revoir. Bonjour, votre pull est dégueulasse. On n'est pas à Noël, pourtant. Vous me devez un total de 16,95 par carte, pas de reçu, comme d'habitude. Au revoir, bonne journée. Oh, pardon. Petite erreur. Ça aurait été dommage de payer plus cher. Après, n'hésitez pas, hein, si vous voulez, mais... Au revoir, bonjour. Il y a un stock d'huile ici. Le lait est trop cher pour moi. Qui t'a demandé? Avec ta coupe immonde. Excusez-moi, monsieur, ça fait 9,98. Hop. Bonne journée, au revoir. Bonjour. Ben voilà. 13,96. Hop. Allez, bonne journée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, le fromage? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe avec le fromage? Vous me stressez. Qu'est-ce qu'il y a? D'aller en mettre 2,99. Ah, il est pas assez cher. Ah. On va mettre à 3,19. 18. J'achète grave à 3,18. Bonjour, excusez-moi. Bonne journée. Toujours pas assez? Mais attendez. Attendez, excusez-moi. Vous m'avez dévalisé. Ah mais oui, parce qu'il a 3,26, je suis trop con, je regardais par rapport à ça là. Je suis idiote. 4,02. Ah bah non. Bonjour, merci beaucoup. Hop, ça fait un total de 6,98. Bonjour. Super. Bah oui, en effet. Il y a eu des petites erreurs, je vous le fais parce que bah, je me suis trompée, mais normalement c'est pas ce prix là, monsieur. Au revoir. Bonjour. Hop, ça fait 25 euros tout pile, c'est agréable, n'est-ce pas? Bonne journée, au revoir. D'accord, je vais le mettre à 3,99. C'est les prix psychologiques, les gars. Bonjour! Sandrine, n'est-ce pas? Vous êtes venue hier, j'adore votre smoky, ça vous va super bien, ça vous fera un total de 3,99, merci. Vous allez faire un petit gâteau? C'est pour vos enfants, vous n'avez pas d'enfants, pardon. Votre cravate, monsieur, il faut que je vous dise. C'est quelque chose, hein. Ça vous fait un total de 3,99. Hop, la petite monnaie. Bonjour, une petite bouteille d'eau. Bah, il fait chaud en ce moment, madame. Bonne journée, au revoir. Bonjour. Oh, on va faire une petite tartiflette, là, non? Hop, je vous rends la petite monnaie. Bonne journée, au revoir. Très bon choix, madame. Ah, très très bon choix également. C'est la meilleure huile du marché. Ça, c'est des courses d'appoint. Hein. Je m'y connais. Ça fait 28,42, madame. Je vous dois 58 centimes. Hop, hop. Et voilà, bonne journée, au revoir. Alors, qu'est-ce que je peux m'acheter de bien? Il y a quoi dans la gestion et dans les licences, les gars? Je pense l'huile et farine, j'ai plus aussi. C'est addictif, ce jeu de con. C'est très addictif. Je pense qu'on va y jouer demain aussi, en plus du React. Hein, je vous le dis tout de suite. J'ai quoi? Plus de farine? Ouais, il y a une vibe dans mon magasin, en fait, tu achètes, mais seulement ce qui reste. T'en as pas besoin, je m'en bats les couilles, tu l'achètes. Hop, qu'est-ce qu'on peut mettre en plus? J'arrive tout de suite, excusez-moi, je suis en train de faire mon réassort, il y a des gens qui travaillent, madame. Ouais, il me reste plus rien. Farine, farine aussi, ça peut être bien. Farine, hop. J'en ai déjà pris. Farine, huile. Des œufs, ça peut être bien. Le café, hop, le sucre, le sucre, le sucre, le sucre, ok. Parfait, parfait, bonjour, j'arrive tout de suite. Je me dépêche, excusez-moi, waouh, 21,99, je vous rends un centime. J'ai pas trouvé du... Oui, on est en plein réassort, madame, c'est pour ça que vous avez attendu. Bonjour, excusez-moi de l'attente. Merci beaucoup, 55 centimes, hop, bonne journée, bonjour. Vous ressemblez vraiment à quelqu'un que je connais, c'est toujours sur le bout de ma langue, c'est dingue. On vend toujours pas de sel, par contre, monsieur, je suis désolée.
Mais vous ressemblez vraiment... On vous l'a jamais dit. Vous êtes sûr on vous l'a jamais dit? C'est fou ça, ça fait 7,98. Hein, pas de reçu, mais vraiment la ressemblance est frappante. Pas de reçu, j'ai pas de carte de, vitalité. Ah, pardon, excusez-moi, c'est la fatigue. De fidélité. À demain. Ah, vous vouliez du sucre? Ah, je pensais que c'était du sel. Bonjour. Ah, 3,14. Eh ben voilà, je vous vois rien. Bonjour, bonjour. Hop, ça vous fait 17,03. Pas de reçu, toujours pas. Alors, on va mettre la lumière parce que ça commence... Ah, mes yeux. Ah bah, c'est mieux comme ça, on voyait mieux les produits, n'est-ce pas, hein? J'adore votre robe. Très jolie, dis donc. Ça vous fait un total de 13 euros. Merci, et je vous dois 7. Bonne journée, au revoir. Le lait, c'est un très bon choix. Il vient d'une ferme que je connais très bien. Bonjour, excusez-moi. Vous ressemblez à Hélène. Vous voyez Hélène avec son... Son track chaud, là, je sais plus... même si elle parle, ouais, ça fait 7,02€, elle parle, etc. Vous l'avez jamais vue? Eh ben, voilà, voilà, derrière. Je vois double, en fait. Ça, c'est dingue. Je vois une double Hélène. On est presque dans un ADN, là. Double hélice, vous voyez. Je fais des petites blagues, c'est le soir. Alors, je vous dois rien du tout. Bonne journée, au revoir. Bonjour. Ça prend un total de 12,95€, merci. Je vous dois 5 centimes. Hop, on y va. Bonjour. Eh ben, c'est pareil, hein. Il y a votre jumelle d'avant, vous ressemblez vraiment à Hélène. Hélène Deguin, je sais plus, je trouverai. Revenez demain, on me retrouvera ensemble, au revoir. J'ai reçu, non? Ah si, j'ai reçu. J'arrive tout de suite, madame. Si vous voulez, j'ai du sucre, hein, si vous en vouliez. Si vous en vouliez pas, c'est pareil, vous l'achetez quand même. Nous, on a le chic pour vous donner envie de choses dont vous n'avez pas besoin. J'arrive, madame, hein. Vous patientez 5 minutes? Hein, ça vous fera pas grand chose de patienter 5 minutes de toute façon dans un endroit aussi agréable, n'est-ce pas? Hop, un petit peu d'œuf. Toujours pratique les œufs. C'est toujours bien. J'arrive tout de suite, je mets juste ma petite farine. Ça vous posera pas de problème en fait. Parce que vous faites bien attendre les gens également. Et voilà, un petit peu d'huile. Si vous en aviez besoin, c'est derrière madame. Hein. Elle est pas chère en plus en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a pris ici? Hop, les chocs qui piquent, valeur sûre, 19,92€. Pas du tout, j'ai menti. Petite blague. 19,02€, voilà, pas de reçu, au revoir. Bah, j'en ai mis derrière. Fallait écouter. Alors, le prix des œufs. 3,98€, croyez-moi, on va mettre ça à 4,49€. Ouais. Je sais, les œufs, ça va pas au frigo, mais ils voulaient qu'on les mette au frigo, ok? Je peux peut-être acheter du thé. Sucre, on est d'accord. Ça, on a, ça, on a, ça, on est. Ah, le thé, ça peut être bien. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour remplir un peu mes étagères? Des chocs qui piquent, hein. Les chocs qui piquent. Le pain, on est pas mal. J'aurais pu un peu plus... Ah, les pâtes, il n'y a plus de pâtes. Ça, c'est pratique, les pâtes. Hop. Ouais, les pâtes, les pâtes. Non, pas de caissier, genre ça me coûte de l'argent alors que je peux le faire moi-même. Oh, ils sont moins chers. On va évidemment les laisser au même prix, comme ça on fait un petit profit. Quel plaisir. Parfait. Putain, on peut avoir une nouvelle section, c'est combien ça? Non, déjà je passe mes achats. Hop, c'est combien? Agrandir. 350, on peut. Oh, on va avoir un magasin plus grand, ça tue sa mère. On pourra prendre deux frigos même. Ouais, non, les œufs. Moi, je les mets au frigo chez moi. Mais en fait, quand tu les achètes, quand tu regardes, ils sont pas au frigo. Donc en soi... Wesh. Waouh, j'ai la maladie de Lynx ou... Ah ouais, a priori, waouh, mais c'est la cliente, c'est la... Ça va ou pas? C'est la dernière cliente, les gars. Si tu t'es Daman ou je m'y connais pas, hein. Ça on va le vendre bien cher. Ça c'est bien ça. On va ouvrir, hein. Hop. Putain, la dernière cliente, elle m'a fait du mal. 5,78€, on va le mettre à 6,99€, 6,49€. On est tout bon, on est tout bon. On a ouvert? Oui. Ah, petite pause clope. Y'a personne, de toute façon.
C'est trop. J'arrive. Hop. Très bon choix, ça. Bonjour. Merci, le pull est toujours moche. Ce fera 17,94, touche pas de reçu. Hop, ça, j'ai fait une date, c'était la prise de la Bastille. Là, on était à deux doigts. Hop là, bonne journée, au revoir, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bah oui, ça va. Écoutez, on fait aller. Bah écoutez, aujourd'hui, je termine un peu plus tôt que d'habitude. Bonne journée. Là, t'es là, tu rentres dans le magasin, le caissier, il souligne, il n'a pas fini sa pause, ça, tu lui casses les couilles. Tu sais, il est là et tout, il voit en mode... Genre, il jette vite fait, en mode bon... Bonjour. On a un nouveau réassort. Vous êtes jamais venu, je crois, mais en fait, on vend du thé de qualité. Petit jeu de mots, vous voyez ici, on est un magasin très proche des clients, d'où le local de proximité. N'hésitez pas à me répondre également. Putain, elle fait si court, celle-là. Hein. Ça s'arrête plus, hein. Ah bah, on m'a dévalisé le magasin, madame. Ah bah, c'est un très bon choix. Écoute, ça fait 54,44. Pas de reçu? Pas de souci. Bonjour. Par carte également, c'est super, vous m'arrangez. 20,96. Bonne journée, madame. Merci, Poulpourdeuse. Farine, on en a, elle est là-bas, les gars. Bonjour. Hop. Ah bah alors là, c'est vraiment que pour du petit déjeuner, ça vous fera 30,47, s'il vous plaît, monsieur. Pour un total de 9,53. Et je compte 1, 2, 3. Bah alors, Ménia, tu tousses? Bonjour, excusez-moi, mon chien s'est étouffé dans mon cerveau imaginaire. Hop. Quoi? C'est elle qui fait un bruit comme ça? Bah alors? Ouais, elle a bu trop vite. 16,94, excusez-moi. Personne n'a demandé, en fait. Avec votre nœud pape. En fait, avec un nœud pape comme ça, monsieur le pain de mie, vous pouvez l'acheter. Excusez-moi, pardon. Donc 16,94, je vous dois 3,06. Hop. En fait, avec un nœud pape comme ça, vraiment, monsieur, je réitère, hein, vous pouvez clairement l'acheter, le pain de mie. Moi, je peux pas acheter de nœud pape. Vous pouvez vous acheter un pain de mie. Donc faites un effort, soutenez les petits commerces, c'est important. Ça fait un total de 16,96, s'il vous plaît. Merci, je vous dois 83,04. Ah bah oui, c'est vrai que le pain de mie était cher, pardon. Oh. Allez. Ça va, mais? Voilà le hockey chouchou. May, viens voir ma puce. Attendez, il y a mon chien qui a le hockey. Je vais m'occuper du chien. Bébé, ça va. Oui, va. En fait, quand mon chien a le hockey, elle panique. La pauvre. Du coup, il faut faire diversion pour qu'elle n'ait plus le hockey. Ça l'a calmé direct. Vraiment, elle fait... Genre, ça, elle aime pas. Ça lui fait peur. Alors. Excusez-moi, petite urgence, j'étais au téléphone, c'est mon chien. Du coup, on en était 83 centimes, oui, excusez-moi. Hop, 83 et 4 centimes, voilà, on va faire très vite, hein. Désolé, je fais au plus vite. Vous payez comment? Ok, très bien, je vous dois. Eh ben dis donc, on a de l'argent ici, monsieur, évidemment, aucun jugement. 0,7, et voilà, bonne journée, monsieur. Voilà, très bien, ça fera un total de 2,99, je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, par carte, évidemment, 7,98, j'ai pas de reçu, bonne journée. Merci beaucoup, ça fera un total de 2,99, pas de monnaie. Bonjour, ah oui, on fait les bonnes courses aujourd'hui, madame. Ça fera un total de 53,87 par carte. J'ai toujours pas de reçu, la machine ne marche pas, je suis désolée. Hop, bonne journée, au revoir, bonjour. Deux petites boîtes d'œufs par carte également, 8,98. Toujours pas de machine de reçu, comme avec madame. Bonjour, vous avez changé de robe aujourd'hui et de couleur de cheveux, ça vous va très bien. 14,96, s'il vous plaît. Bonne journée. Bonjour, et vous êtes ma dernière cliente. Je suis désolée pour l'attente, c'était compliqué. J'ai eu un souci avec mon chien, vous comprenez, vous avez un animal? Non, vous devriez, je vous jure, ça vous change la vie. Bonne journée. Oh, la file d'attente, les gars. Ouf. Bon, fatigué. Wow, 460, je peux agrandir, les gars. J'arrive tout de suite, excusez-moi, petite chose à faire sur l'ordinateur. Alors, oh, section 2.
La dinguerie. Wesh. Waouh. Bonjour. Eh oui, c'est la technologie, hein, ça grandit vite. 17h45, s'il vous plaît. Hop là. Bonjour par carte, 9,98. On n'a toujours pas la machine de reçu. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Alors, ça, on va pouvoir le bouger. Comment on le bouge? Je peux le bouger? Attends. Ah. Ok. Donc, je peux le mettre là. Oh, ça tue sa mère, j'adore. Oh, j'ai trop hâte d'avoir un bête de magasin. Donc, on peut les coller. J'arrive tout de suite, madame. Hop. Ça, on le fout. Mei Mei. Hop. Voilà. Attendez, excusez-moi, j'allume un petit peu. Alors. Ça vous ferait un total de 26,45, s'il vous plaît. Parfait. Vous avez vu, on a agrandi le magasin. Ça fait du bien, hein. Waouh. Vous faites des belles courses, monsieur, dis donc. Écoutez, tant mieux. Vous me terminez mes stocks. Moi, je fais un petit achat demain. Bon, alors, c'est pour les clients d'après que ça va être compliqué, mais bon, est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout! Bonjour, merci beaucoup, Monet, et je vous dois rien. Au revoir, merci, Super Shido. Eh ben, écoutez, on va pouvoir réappro de fou. Oh, on va pouvoir acheter des meubles et tout, je suis trop heureuse. On peut décorer le magasin? J'ai fait une de ces thunes! Ils ont trop de thunes, je vous jure. Bonjour! Hop, ça vous fera un total de 10,47, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonjour, total de 5,98, je vous dois 4 et 2 centimes. Au revoir. Ok, faut réappro, les gars. Faut qu'on fasse un truc joli. Vous savez, comme ça, on met ceux-là, là. On les fout là, on fait un truc un peu joli et tout. Dans les prochaines mises à jour, je vous jure, le jeu est trop bien. Ah ouais, non, mais ils m'ont dévalisé, hein. Donc, on va s'acheter. Parce qu'on a de la thune, là. On peut s'acheter. Céréales, on a. On va s'acheter. Attendez. On va refaire un peu la réappro. Du sucre. Elle a plus haut, ok, c'est bon. Ok. Je vous jure, elle panique quand elle a le hockey. Je pense que c'est normal, ça lui fait peur, c'est sa bloque. Elle mode... Et du coup, elle se semi-étouffe. Alors que tout va bien. Les œufs, on n'en a plus, je crois. Le comté, on n'en a plus. Le café, ça peut être bien d'en reprendre. Sucre, j'ai pris. J'ai l'impression de refaire mes courses à moi. C'est un enfer en mode... Je suis à côté de Sifir en mode... Sucre, on a pris. Les céréales, c'est bien. Le prix en baisse, donc on peut faire du profit. C'est pas con. Chocipic, nananana, farine, l'huile, on en a. Elle est en mode, maman, j'ai peur du hockey. Pauvre bébé. Elle va bien. De l'eau, on a pris, attendez. J'ai pris. Bah oui. Du lait. Ok, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Pâte, vas-y, on les prend demain. De toute façon, on peut pas acheter là, on est après 21h. Oh, il est trop. Non, si tu l'as fait jouer, elle reprend le hockey, je l'entends. Pâte. Ok, on va ranger tout ça. Merci NFT, ça va? Bienvenue dans. Je vous ai vu, hein. Je vous ai vu, je l'ai vu le livreur. Hein? Je l'ai vu. Parce que ça, c'est Paris. C'est toujours la même chose avec les livreurs de cons, là. Ah, ça m'énerve. C'est dingue. C'est jamais bon, jamais. Le lait. Le lait. Oh non. La ref est trop sombre. Allez, on range en deux, un petit peu d'eau. Allez, le café a augmenté, évidemment. Faut pas être tranquille. Ouais, je vais voir. La licence, attends, je pense que j'ai pas assez d'argent, là. C'est quoi, céréales? Les Chocipic, ça, ça part bien, ça. Ah, c'est un beau présentoir, ça. Ah, ça, c'est un... C'est bien, bien, bien. Le comté. On va refaire peut-être les prix. De toute façon, on va vérifier un petit peu. On peut les mettre à côté, on s'en fout. Ah, du pain. T'es sûr qu'il restait du lait? J'en ai pas vu. La farine, on peut la mettre au-dessus. Non, là, c'est bon, c'est bon. Vous me faites peur à chaque fois, j'ai l'impression qu'il reste des trucs. Genre ça, on peut le mettre là-haut. J'essaie de pas jeter. Non mais le café des Narvalos, ça peut me tuer. Hein. L'huile. Bah on a besoin d'huile, de pain. Le pain.
L'huile, le pain, le pain, le pain, le pain. Hop là. Là, il faut qu'on fasse de la thune parce que là, c'est chaud, les gars. On va refaire les prix en même temps. On ouvre, hop. Le pain. Ouais, œuf, on a plus de place. Faudra qu'on rachète, en fait. Faut qu'on rachète absolument un réfrigérateur, mais c'est cher. Merde. Ouais, le café et les pâtes, ça part vite. Alors, attendez, venez, on refait les prix un peu. Là, wesh, le prix du marché. Mais attendez, mais j'ai complètement foiré. J'ai merdé, tu m'étonnes qu'ils partent. Je suis complètement conne. Oh, bah, t'as 13,01. Non, 12,99. Oh, mais vous m'avez rien dit. Mais vous m'avez rien dit. Ok, ça, on peut le laisser. Le pain. On peut le laisser, ça a 1$ de plus, il part vite. Bonjour. Wesh, le prix du marché. Ah ouais, non, mais attendez, mais j'ai abusé. Mais ils partent. Ils partent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Venez, on les met à 6,99. Hop. Ça, vous savez quoi? On peut le mettre un peu plus. J'arrive. Eh ben, elle va patienter, la petite dame. Hein? Je suis toute seule ici, vous le voyez bien. Hein, le shift du matin, c'est pas le plus simple. Ok. Et ça. Hop. Je refais mes prix, je suis à vous, madame. Hop. J'arrive. Bonjour. Attendez, je suis en train de refaire mes prix. Voilà. Excusez-moi pour l'attente. C'est trop cher, excusez-moi. Il y a un problème avec la farine, madame? Non, parce que je vous entends. Le lait est trop cher, la farine est trop chère. Eh bien, écoutez, ça dérange pas monsieur, a priori. Ça dérange pas monsieur. Allez, hop, regardez. 1,319. Madame est contente. Les céréales, c'est trop cher. Eh ben, il n'y a pas de problème. On va les mettre à 5,99. Pas de souci. La farine, c'est trop cher. Eh ben, c'est pas grave. On va les mettre à 4,29. Voilà. Bah, bizarrement, c'est trop cher, mais on fait la queue, hein. Ah, si vous commencez la journée comme ça, excusez-moi, madame, hein, je sais, vous avez rien à voir avec ça. 9,98, s'il vous plaît. Mais les gens comme ça, ouais, bah, abusez aussi avec votre monnaie. C'est une catastrophe, ça. Vous avez cru que j'étais qui? Vous avez cru que j'avais un bac plus 8 en mathématiques? Eh ben, peut-être. Eh ben, peut-être. C'est toujours dans le jugement, d'ailleurs. Ça ne veut rien dire. Merci beaucoup, ça vous fait 26,93 s'il vous plaît. Le TPE a toujours un souci avec les tickets, je suis désolée, je peux pas vous en rendre. Merci beaucoup, ça vous fera hop, un total de 25,98 s'il vous plaît, merci. Je vous dois 4 et 2, bonne journée, au revoir, bonjour. Eh ben je t'emmerde avec ton comté, tu mangeras pas de fromage, le lactose c'est mauvais de toute façon. Ça vous fait 24,94 s'il vous plaît madame, merci beaucoup. Vous voulez un ticket? J'en ai pas. Au revoir. Bonjour. Bah vous voyez, regardez, lui ça le dérange pas d'acheter le fromage. Ça vous fait 15,56 s'il vous plaît. C'est dingue, hein. Les gens toujours à se plaindre. Hein. Bonjour. Très bon choix madame. C'est un peu nos nouveaux arrivages. Hop, et 4 et 65 centimes. On a réussi. Bonjour, votre trench ressemble un peu à celui d'un détective connu. Ça vous va très bien. Vous êtes détective? Non? Oh, dingue. 47,46 s'il vous plaît. Hop, et je vous rends un 52 et 54 centimes. Super, bonne journée. J'attends. Hein. Je suis capable d'attendre très longtemps, monsieur. Vous voyez, regardez, vous savez quoi? J'ai même de quoi patienter. Hop, hop, je mange. Je sais pas, parce qu'en fait, la politesse, c'est gratuit. Contrairement au comté. Vous avez de la chance. Faut que je travaille. Pas avec plaisir, 22,76, merci. Allez, dégagez. Bonjour, j'adore votre costume, ça vous va très bien. 37,96 par carte, c'est pas de souci. Hop là. Vous êtes déjà venu il y a 2 minutes, monsieur. Hop, ça vous fait un total de 40,74, je vous dois 26 centimes. Bonjour. Bah vous voyez, le comté, ça pose des problèmes à personne. 24,5 par carte. Par contre, il va peut-être falloir arrêter de me le mettre comme ça dans la gueule, en fait. Enfin, bizarre. Bonjour, je vous ai jamais vu ici. Je m'en rappellerai. Sinon. Alors, votre cœur est pas à vendre, peut-être? Non, non, je rigole. C'est... Petite blague. Très bon café, d'ailleurs. Très torréfié. J'adore. Ça vous fera un total de 24,97. Pas... En espèces, pas de souci. Oh, je vois que madame a...
un petit peu d'argent. Vous avez un air de quelqu'un que je connais. Mais elle fait pas de courses, elle. Elle fait des RP courses. Ça s'appelle Chloé... Attendez, je l'ai. Chloé Kardashian. Bah, vous avez sa prestance. 50... N'hésitez pas à revenir, en tout cas. Vous avez illuminé le magasin. Au revoir. Bonjour. Par carte, 6,98. Ah, vous voulez le ticket? Bonne journée. Bonjour. 4,01. En espèces, très bien, je vous dois 99 centimes. Bonne journée. Bonjour. Ça vous fait 18,18. Et je vous dois 1,82. Au revoir. Bonjour. 17,07, je dois 2,53. Ah pardon, 2,93, c'est la fin de journée, c'est compliqué. Putain, la lumière, elle est loin maintenant. Bonne journée. Je m'en fous. Bonjour. 28,55. Je vous dois 1,45. Bonne journée. Bonjour. Laissez-moi être dans mon RP gris par carte. 27,37. Pardon, 27,33. Un ticket? Non? Au revoir. Bon, bonjour! Excusez-moi, je vais allumer pour mieux contempler la joie de mon visage. Alors, ça vous fait un total de 22,25, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonne journée. Comptez. Oui, je vais faire des stocks demain, madame. Bonjour! Ça fait un total de 17,28, de 72. Bonne journée, passez une bonne soirée. C'est la fatigue, il a un paquet de farine par carte, 4,29 s'il vous plaît. Pas de ticket? Au revoir. Bonjour. Dis donc, vous... Il y a du monde le soir, ah, vous êtes à l'heure de rush, monsieur. Hein. Ça vous fait 25,97 s'il vous plaît. Hop, au revoir, bonjour, et un paquet d'huile, et... Vous êtes comptable. Hein. Ouais, ça se voit. Je dis ça comme ça, monsieur. C'est pas contre vous, hein. Mais y a un truc. Allez, bonne journée, monsieur. Bref. Bah non, y a un client, j'ai pas terminé la journée. Oh, on a fait de la thune, hein. Ok, moi je pense qu'on va racheter des étagères ou des frigos, non? Ah, on peut acheter une section. Je sais pas si c'est bien, facture. On peut-être payer d'abord les factures pour voir ce qu'il nous reste. Ouais, c'était pas mal déjà. On peut embaucher, mais c'est cher, frère. Non, il faut niveau 10, vous voyez. Stockage, je m'en fous. Ah, oh, custom. Je sais pas. On peut acheter une licence. Moi, je suis chaude qu'on achète une licence, les gars. Non, on achète la licence. C'est bien, on a plus de produits. Bonjour, excusez-moi pour l'attente. Je suis en train de voir pour des recrutements. Pardon? Oh, d'accord. Et bah, excusez-moi, je fais un petit peu la conversation, mais c'est pas grave. Carte 2654, s'il vous plaît. Enfin, je sais pas, je pense que le sourire, c'est quelque chose qui est gratuit et qui pourrait être une bonne chose de l'amener en caisse. Mais bref, vous voulez un reçu? Au revoir. Bonjour. 2,15 s'il vous plaît. 85 centimes. Bonne journée, à demain. On se revoit demain. Au revoir. Alors, on a des étagères, les gars. Par contre, les frigos, j'avoue, ça peut être utile. Faites voir ce qu'on a de nouveau. Alors. Oh, le riz. Oh non, ça tue sa mère. Ouais. Oh, les pâtes. C'est enfin ça. La vraie huile d'olive, là. Ok. Et c'était combien? Là, ça nous fait 51,50. Oh, ça tue sa mère. Attendez, mais de la farine. C'est de la vraie bonne farine. Regardez-moi ça. Oh, la dinguerie. Oh, le beurre de cacahuète. Il y a tellement de nouveaux trucs, j'ai trop contente. Ok, ça me fait 86 et on restera un peu de thunes. Oh, ça tue. Eh, on est pas mal, hein. Tu parles des gens casse couilles qui en a pris en mode pff, les gens, franchement. bah, étant coûté, on va acheter ça. Ok. Vas-y, je fais une dernière journée, le chat. Alors, le beurre de cacahuète. Alors ça, si ça va pas leur faire plaisir, je sais pas ce qu'il leur faut. Ça, c'est un nouvel arrivage, ça fait plaisir. Ah, comment j'ai trop hâte d'en parler à mes clients préférés. Le sel, parfait. J'ai un client qui va être trop content. Super, ça c'est top.
Et ça, c'était les petites pattes. Les petites pattes, on va les mettre là. Voilà, nouvelle méta. Oh, on est trop bien. On est trop bien. On va ouvrir. Alors, le riz... Ouah, prix du marché à 6,91. Tu sais quoi? Hop. On va refaire tous les prix. C'est quoi? On va le mettre à 6. On va tester. C'est quoi? Je teste en rond pour que ça aille plus vite. Là, on va mettre 5,50. C'est tellement cher. Bonjour, j'arrive tout de suite. 6,50. Vous êtes en train de vendre sans avoir fixé le prix? Quoi? 6. Où ça? Où ça? Non, attendez. 3. J'arrive tout de suite. 4,50. On est bien, on est bien. Ça, j'ai mis, ça, j'ai mis. Non, c'est bon. On a fait ces prix-là. Celui-là, j'ai pas fait les prix. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Là, on met 5. J'arrive, excusez-moi, messieurs. Hein. C'est la vie rapide. Pardon, pardon. Celui-là, on va mettre 3,50. Ok, ok. Bonjour! C'est une belle journée quand même, n'est-ce pas? Ah bah, je vois que monsieur va s'enquiller du peanut butter et il a pris tout ce qu'il faut. Ouais, c'est un peu sec, vous avez bien fait de prendre des bouteilles. Ah bah, on va se faire des belles tartines, tout ça. Hein. Mmh. C'est pour vos enfants? Non, mais vous n'êtes pas obligé de me dire ça. 17,86, s'il vous plaît, pas de ticket, hein, comme d'habitude. Franchement, c'est tout le monde peut en manger, pas de problème. Bonne journée, au revoir. Sa femme l'a quitté hier. Mmh. Ouais, 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 sa femme l'a quitté hier, il a pas d'enfant et... Et je pense qu'il se noie dans les beurres de cacahuètes, ouais. Ah, oh, vous avez pris de l'huile comme ça, vous savez, on a de la nouvelle qui arrive, hein. Merci beaucoup, ça fait 10,99. Hop, et le petit centime, bonne journée. Il a perdu son emploi hier, lui, également. Voilà, je tenais à vous le dire, parce que je pense que c'est important qu'on se soutienne entre personnes qui vont dans le même local de proximité, on est un peu une famille, en fait. Ça vous fera 35,88, s'il vous plaît. Merci. 4,12€. Hop, voilà, bonne journée. Bonjour, votre crâne. Non, mais je me permets, hein. Mais votre crâne, c'est quelque chose. Je pense que je peux lire mon avenir là-dessus. Vraiment, il est même plus brillant que mon avenir, il est merveilleux. Ça se voit que c'est un crâne à plus de 10K. Hé, hé, toi, là! Oh! Espèce de petite merde, là! Franchement, t'as cru que je t'avais pas entendu, là? Pas de micro cher, mais faut aller se faire foutre, t'as qu'à percer à Carrefour, Leclerc, je m'en bats les couilles. Ici, on les boycotte. Ici, on est dans notre petit local de proximité avec de l'amour. On est comme ça, tu vois? C'est bon, à un moment. Tu veux râler, tu râles dehors. Pardon, excusez-moi. Vraiment, excusez-moi. Si je pouvais me regarder un petit peu dans votre... Dans votre petit crâne, ça me permettrait d'aller mieux. Ça va bien mieux. Attendez, donc c'est trop cher. Bah tu sais quoi, je le baisse. Je le baisse, y'a pas de problème. 4,90. Voilà, t'es content. T'es content. T'es content. T'es content. Faire du mal comme ça aux honnêtes gens. Excusez-moi, je me suis un peu emportée. C'est dur, en ce moment. Ah ouais, du thé et du beurre. De cacahuètes. Par carte, 25 euros. Hop, 25... Hop, on se revoit bientôt, Yves. Au revoir. Bisous sur ton crâne. Bonjour. 21, s'il vous plaît, par carte, bien sûr. Top. Bonjour. Très, très bon choix. Il se fait très rapidement, d'ailleurs. Ah, mais vous en avez pris deux. Mais vous êtes toute seule, pourtant. Mais vous êtes venue hier, madame. C'est étrange, 25, s'il vous plaît. Bien sûr, je vous dois 15. Poupou. Bonjour. Un peu d'huile, 11, super. Vous voyez qu'il n'est pas si cher. Du thé. Je dirais même enchanté. C'est un très bon choix. Si j'avais su que vous passiez, je l'aurais fait un peu moins cher. Vous payez en carte? Et vous auriez pas une carte de fidélité pour moi par hasard? Seulement pour moi? Allez, on se revoit très vite. J'en achèterai pour vous, ma douce. Des œufs. Elle veut des œufs. Elle veut des œufs. Des œufs, des œufs. Des œufs, des œufs. Oui, oh, j'arrive! Oui, j'achète des œufs! Des œufs. Des œufs. Elle veut des œufs. Ils veulent des pâtes aussi, je crois. Ils m'ont saoulé avec leurs pâtes. Bonjour! Qu'est-ce qu'elle a, elle? Oh bah! Ah bah, vous êtes en train de ravir ma journée, monsieur, hein. Et 52 centimes, bonne journée. De l'huile d'olive, j'en rachèterai. Alors vous avez dévalisé mon magasin. Hein. Ils ont dévalisé mon magasin, c'est une dinguerie. Bonne journée, monsieur. Bonjour. Les petites lunettes de soleil à l'intérieur, c'est marrant, ça, pourquoi? Ah, d'accord. Et ça fait mal, c'est cher? Ah, moi, je voulais la faire, l'opération des yeux aussi, hein, mais vous savez, ça me fait un petit peu peur. Oh, pardon, je fais un peu n'importe quoi. Ça me fait un petit peu peur. J'ai peur, après, en fait, qu'on touche trop mon œil et ça me fait un peu peur.
Ouais. Ah, mais vos amis l'ont fait. Ah bah, vous me donnerez l'adresse, hein. C'est dingue, ces gens. C'est dingue. Eh bah, vous voyez le monsieur d'avant, il a fait l'opération des yeux. Je trouve ça dingue. Bonne journée, madame. Bonjour. Très bon choix le beurre de cacahuète. Ça fait 28,49 et je vous dois 11,49. Ah bah, on fait des... Oupsi. C'est même pas 11,49. On fait des maths tous les jours, nous, hein. Bonne journée, au revoir. Bonjour, Abdel. Ça, c'est pour le petit déjeuner des enfants, hein. Ah, c'est pour vous. Ah. Mais vous savez, la dernière fois, j'ai croisé votre mari. Si, il vous a quitté. C'est marrant, ici, tout le monde, hein. Bah, même moi, ça m'est arrivé, hein. Mais il a pris les enfants. Et je vous raconterai la prochaine fois. Bonjour, vous êtes revenu 8 fois cette semaine. Dis donc, vous faites mon chiffre d'affaires, monsieur. C'est un plaisir. Allez, bonjour. Alors, le riz avec le peanut butter, c'est pas bon. C'est vraiment juste un petit conseil. Mais après, bon, faites ce que vous voulez, hein. Bonjour. Ah, c'est des grosses courses aujourd'hui, monsieur. Merci pour la carte 23,50, s'il vous plaît. J'ai pas la carte de fidélité, désolé. Bonjour. J'attends, excusez-moi, je vais allumer la lumière. Je vais me dépêcher un peu, hein, parce qu'on ferme bientôt. Bah, on ferme dans 1 heure et demie, quoi. C'est bientôt. Allez, bonne journée. Faut que je fasse un réassort, moi. Merci beaucoup, on se doit 3. Hop là. Bonjour également. Vous avez de la chance, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. 7,50, s'il vous plaît. Bonne soirée. Bonjour. J'ai croisé votre ex-femme. Bah, elle est venue il y a 10 minutes. Vous payez comment? Ah, pardon. Je suis un peu tête en l'air, hein. Bonjour, monsieur. Ça vous fera rien du tout. Bonne journée. Au revoir. Putain, ils ont dévalisé mon magasin, les gars. Ah, la dinguerie. Attendez, il faut que je fasse un stock. Je peux pas l'acheter tout de suite, je crois. On va tout prendre, hein. 173. Attendez, j'achète déjà ça. Hop là, comme ça c'est fait. Huile d'olive, sel, riz. Je vais tout acheter, je m'en bats les couilles. Il y a un truc que j'ai pas acheté, je le sais. Ah non. Je vais faire un réassort. C'est vous qui avez fait ça? C'est vous qui avez fait ça? C'est vous avec votre petite taille basse là? Vous avez de la chance d'être mignonne. Dégueulasse. Bonjour. Il vous manquait quelque chose? Je croyais que vous aviez tout pris juste avant. 15,80, s'il vous plaît. Je vous souhaite une très bonne soirée en tout cas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Demain, on a un petit réassort qui arrive. Farine? J'en achète. Pas de soucis, j'achète de la farine. J'achète, j'achète. Allez. La farine. Suprême. Genre, c'est une marque de fringues. J'arrive, excusez-moi. On est fermé là, monsieur, normalement, mais bon. Je vais faire une exception, hein. Par carte, ça va, vous êtes pas chiant. Voilà. Tu t'as trop envie de l'acheter, Magla. Mais le jeu est... Ok, je vais dire un truc. Le jeu, de base, le principe est naze. C'est un jeu, tu fais la gestion à la con, et tu fais des trucs, genre, c'est vraiment un mouvement perpétuel, mais il est bien. J'ai juré, il est ultra addictif. J'ai envie d'avoir un bête de magasin et d'avoir plein d'employés. Vas-y, on va le mettre là en attendant. Comme ça, c'est mes petits rangements. J'ai envie d'avoir un stockage, j'ai envie d'avoir de la déco, j'ai envie d'avoir plein d'employés. J'ai envie d'être riche. J'ai envie d'y jouer demain. Et on va y jouer demain, et vous le savez. Je suis désolée, genre le jeu est trop addictif. Tiens, on va mettre la farine, on va la mettre à côté du sucre. Je me sens piégée dans le jeu. Ouais, c'est exactement ça, je me sens piégée. Ça, on va le mettre là-haut. J'ai trop hâte d'avoir un putain de magasin parce que je pense que tu peux te faire un bête de truc. Genre, quand je regarde là, regarde quand tu regardes ici. En plus, c'est facile, le jeu est simple. Vraiment, le jeu est simple. Vu les sections que tu peux faire, les gars, je peux faire un vrai supermarché avec genre une dizaine d'ailes, avec le rayon sucre, enfin le rayon genre épicerie sucrée, etc. C'est trop bien, les gars. C'est trop bien. Je peux faire un vrai magasin. Et c'est ce que je vais faire demain. Avec plein d'employés. Hop là. J'espère que demain, j'avancerai bien comme ça. C'est quoi ça? C'est les pâtes? Il est en promo, il a 20%. Bah voilà. Voilà, c'est le moment. Le jeu est merveilleux. Putain, il faut que j'achète un frigo. Demain, dès que je rentre, on joue. Genre demain, je vous le dis tout de suite, je rentre du défilé parce que je suis invitée au défilé de Chase Gibson. Je rentre, je me change même pas, je serai en tenue. Genre, ils vont être en mode, on a prêté des vêtements à Magla pour qu'elle live un jeu de supermarché. Oui. Oui, bien sûr.
Donc dès que je rentre, je sais pas à quelle heure parce qu'il y a des bouchons moi pour rentrer chez moi, je lance direct dessus. Bon, demain, vous me rappelez, attendez, réassort. J'ai tout mis dans le... Il manque pas mal de trucs là, les gars. Je meurs, IRL, elle remplit des cartons en live, elle vide des cartons virtuels. Je te jure, Sylvia, ma vie est carton aujourd'hui, en ce moment. Tani que j'achète, je suis désolée. Anna Montana, ta devis, Fashion Week et Geek. C'est Fashion Geek ou quoi? Bref. Les Chocapic, ouais. Les Chocapic, comme ça je serai prête pour demain. J'en ai pris ou pas là? Non. Je sais pas, on verra si on fait du catfish. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on commence par ça. L'eau de farine. Je l'ai prise, je l'ai pas prise. Parce qu'ils aiment bien l'eau de farine a priori. Ok, attendez, je passe au jour suivant. De toute façon, ça sauvegarde quand je veux, non? Ah ouais, les œufs, tu peux les laisser sur l'étagère? Non, regarde, frigo. Ils veulent pas, ils m'aiment pas. Ok, donc là on peut acheter des trucs. Comme ça, je suis prête pour demain direct. C'est un satisfactory like, les gars. Ça va juste ruiner ma vie. Putain, c'est à cause de la farine? Non, c'est à cause de ça. Ça va ruiner ma vie, ce jeu. Alors, les spaghettis, on peut les mettre au niveau des pâtes, on va les mettre là. Bah, normalement, en plus, en magasin, les œufs, tu les mets pas au frigo, mais bon. A priori, ici, oui. Je vous jure, pendant le défilé, en mode, putain, j'ai oublié d'acheter les choux qui piquent. Ah oui, il y a du sel. Alors là, franchement, ils ont de quoi faire. Hein. Ils vont pas me faire chier. Ils vont pas être relous ceux-là. Et je vais faire les prix, ouais, je vais faire les prix pour demain. Là, ça commence à être rangé. J'ai envie de faire des petites allées et tout. Oh là là, demain, vous savez quoi? On va réorganiser. On va acheter des stagiaires, on va refaire des petites allées, comme ça tu rentres. Il y a une petite allée en mode tututut. Ah, ça va être trop mignon. Alors. Ah ouais, là, on peut mettre 13. Là, on peut mettre 5. C'est quoi? Je mets 0,50 de plus, vous avez raison. J'ai arrêté les prix psychologiques. Donc là, par exemple, c'est quoi? On fait à prix rond, on met 6,10. Ça, on va le mettre... Wesh! À 8. C'est à plus de 50, mais vas-y, on essaye de faire un peu plus rond. Là, 5,49, je trouve ça bien. Là, c'est... Je vais en mettre 4. 6,62! Je fais 5,20. Là, ça me paraît pas déconnant. 4, c'est bien. 6, c'était bien ou pas? Non, là on peut mettre à 6,50. On est pas mal. Les pâtes sont à 3,40. C'est ouf. Et les Eco Plus, elles sont à 6,62. Mais Eco de quoi? C'est des malades? De quoi 5,20? Attends, le 5,20 était pas bon? Ah, celle-là? Parce que j'ai regardé ça et je suis idiote. Ça vous va? Ok, c'est bon, c'est bon. Écho de rien du tout, hein, on se fout de ma gueule. Le sel. Ouais. Ouais. Ils vont encore râler, je le sais, ils vont râler. Manière, c'est trop cher. Allez, ça, regarde, on le met à 4. Ok, j'ai envie de faire juste une vente. Et après, j'arrête. Je veux voir s'ils achètent mes trucs. C'est beau quand même, hein. C'est quelque chose. C'est mon petit magasin à moi, en fait. C'est mon petit truc. Le sucre à 5,50, tu penses? Ouais, t'as raison. Allez. C'est ma petite entreprise. Vous pouvez venir, j'ai besoin d'arrêter, s'il vous plaît. Hop, l'angle droit, là. Non. Allez, regardez. Vous faites ça, et ça fait un angle droit, comme ça, en mode... Whoop. Voilà. Bon choix, ça, monsieur. Attention au café pour le cœur, quand même. Attention, hein, j'espère que vous ferez des pas tout d'un coup. Hein. Ah, que c'est... ça fera 26 euros. Wesh, 26 euros le café, les gars. C'est des ouf. Oh, après, vas-y, c'est bon, il me rend 74. C'est bon, vous avez de l'argent, vous. Hein. Vous voulez des chocs qui piquent, ouais, en fait, le problème, c'est les approvisionnements, monsieur, pardon. Hein. L'inflation, la vie est chère. Hein. J'ai assez. J'arrive tout de suite, monsieur, je vais juste aller récupérer ma livraison dehors. Vous n'êtes pas pressé, de toute façon. J'avoue, j'ai pas de pain.
J'avoue, il n'y a pas de pain. J'ai pas assez, je pense, pour le pain. Attendez. Ah bah, c'est des belles courses, ça, dis donc. 30,40€, s'il vous plaît. Et je vous dois 4,60€. Hop, au revoir. Bonjour. Ça fera 14,20€. Presque un 420, hein. J'ai envie de dire. Hop, du thé. Il me faut du pain. Le pain, il est où? Là. Le thé, j'ai assez ou pas? Non, j'ai pas assez. J'arrive tout de suite. Hop. Tiré à pro. Parfait, parfait. Oui, c'est bon, là, j'ai tout mis. Je suis... Oh là là, oh, j'ai pris la vitre. Je suis traumatisée de ça. Attendez, je remets juste le bon prix. Ouais, c'est bien. Waouh, ok. Là, je suis désolée, madame. J'adorerais faire la discute avec vous, mais... À part carte, 36,60, s'il vous plaît. Mais là, il y a du monde qui attend. Alors, je me dépêche un petit peu. Hop, ça vous fait ça. Parfait. Bonjour. Ça fera un total. Je vous dois 4,50. Super, bonne journée, au revoir. Vous saviez qu'au début... Vous êtes jumeaux. Vous payez par carte. Alors, je me demande qui a le meilleur des paquets, hein. Je veux dire de pâtes. Au revoir. Bonjour. Hop, et bah c'est vous. C'est clairement vous. 29,80. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Vous avez fait des bonnes courses, là. Merci beaucoup, 56. Tout pile, bonne journée monsieur, pas de reçu. Hein. Alors, ça fait 199, je peux acheter des trucs. Je peux acheter quoi? Qu'est-ce qui était bien acheté? On avait dit qu'il était bien. Oui, j'avais dit un client, mais ils sont tous venus. Je pouvais pas les faire attendre, les gars. Le thé. Le thé, vous avez raison, le thé. Le thé, ça s'achète bien en plus. Le thé. Ok, je fais ces derniers clients, je mets mon thé. J'arrive, monsieur. Hop. Titré à pro. Je fais mes derniers clients. Poussez-vous, s'il vous plaît. 6,50, c'est bien. Ok, je fais ces trois derniers et je m'arrête. Et hop, le choc épique. Ça, c'est vraiment du petit-déj. Je vous rends 8,50€. Bonjour. Vous payez par carte. Eh oui, je l'ai vu dans vos yeux. 38,40, s'il vous plaît. Bonne soirée, au revoir. Vous payez en espèces. Ah non, j'ai raté. C'est la chemise, elle m'a déconcentré. Vous savez, il y a des choses comme ça qui vous marquent à vie, hein. J'avoue, j'ai plus de café. Mais un autre frigo, ça serait pas mal. Il est bien celui-là. Non, je vais attendre d'avoir 375%. Merci beaucoup. 20 centimes. Il me faut 375. Très bon choix, ça, monsieur. Avec des pâtes, ce serait parfait. Wow, vous étiez coordonné, dis donc. Pain de mie est trop cher pour vous. Laissez-moi voir, monsieur. Je suis de bonté aujourd'hui. Oh, ça va, vous abusez un petit peu, mais allez. On baisse un peu le prix. Regardez-moi ça. Je vais pas faire de prêt pour le frigo. Seulement pour les énormes prêts, pas pour le frigo. Ça vous fait 25,20, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Vous voulez un reçu? Au revoir. Ah, j'ai pas fait l'eau. Trop cher pour vous? Ça va. Ça va. Ah, vous êtes une chouineuse, vous, hein. Ça se voit à votre coupe. Vous appelez Karen, non? Merci beaucoup, 21,50, s'il vous plaît. Ah, franchement, les gens, je sais pas, mais les gens, c'est une catastrophe, hein. Allez, c'est trop cher, mais madame achète combien? 3 trucs d'huile, c'est quoi? Vous en faites un commerce? Vous la buvez, l'huile? Allez, je vous dois 4,80€. Vous auriez pu l'acheter, la bouteille d'eau, hein. Elle coûtait pas 4,80€, genre 81. C'est dingue. Merde. Vous me faites faire des bêtises. C'est dingue. Vous voyez, non, vous me déconcentrez, cassez-vous. Hop, ah bah vous aimez les sucres lents. Hein. 28. Merci. Vous êtes un geek. Je vous avais dit ça la dernière fois, faudrait changer de t-shirt un jour. 19,50 s'il vous plaît. Bonjour. Ça c'est des courses, dis donc. Vous me faites mon chiffre d'affaires, ça fait plaisir. N'hésitez pas. Voilà, on aime bien les clients comme vous. Ça achète, hein. Allez-y, c'est très bien. Ah bah vous avez pris tout monté et tout, hein. 31, je vous dois quoi? 1, hop là. Oh, il a fait mon chiffre. Oh. Il a fait mon chiffre. C'est pas là-dedans. C'est dans marché. Ah, mais je peux avoir plusieurs caisses. Même un congèle. Oh, oh, je suis trop heureuse.
Alors là, attendez, j'arrive, regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, excusez-moi, j'allume, hop. Regardez-moi ça, je suis trop heureuse. Bah vous allez attendre, hein, ma grande. Quel plaisir. Quelle grâce. Bah j'ai peut-être pas encore mis le prix. C'est bon, la patience peut-être, non, j'arrive, vous êtes patiente, vous êtes mignonne, vous. Ça va en plus, les... Bah va te faire foutre. Voilà, juste va te faire foutre, c'est pas possible ça. C'est dingue quand même de râler à ce point-là. C'est dingue. Hop, et deux beurres de cacahuètes. Petite recette avec des bananes, c'est merveilleux. Alors vous... Ça fait 15,50. Ah bah donnez plus de monnaie la prochaine fois. Hein. Je suis pas une banque, hein. Allez, bonne journée. Bonjour. Par carte, bien sûr. 3, s'il vous plaît. Ah bah vous dévalisez tous mes Chocipics, vous, hein. Je ferai mon réappro plus tard, les gars. Eh bah ça, c'est des bonnes courses, dis donc. Allez, Chocipicule, je vous conseille pas, dis donc. Qu'est-ce qu'elle a, l'autre mégère, derrière? Pourquoi elle râle? C'est quoi son problème, à celle-là? Faut mieux de vous concentrer sur vos chignons, madame. Je vais te crêper le mien. Faire un effort, à un moment. Est-ce que je viens chez vous pour dire que c'est moche? Non, alors que je pourrais. Ça fera 19,70 par carte, merci. Un reçu? Très bien. Pas de carte de fidélité, bonne soirée. M'en fous. Alors. Qu'est-ce qu'on peut racheter pour demain? Quand je reviendrai. Des chocs qui piquent déjà, on est d'accord, des chocs qui piquent. Hop. Ah, les factures, vous avez raison, attendez. Hii. Ça va. Pas. Ok, les choux qui piquent, le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète. Eh ben non, eh ben non, je suis pauvre. On va attendre que... Ah mais c'est le café qui me prend cher. Et les choux qui piquent, ils sont où? Ok, et peut-être qu'on pourrait réussir à se prendre un dernier truc. La farine, ouais, vous avez raison. C'est bien ça. Ok. Bah je finis la journée, je sauvegarde et j'arrête. Promis, j'arrête. Trouvé trop cher, 4, 12. Je pourrais les arnaquer sur la monnaie quand même. Hein. Une fois de temps en temps quand même. Putain, ça va. Attendez, je fais mon réappro. Bah sinon parce que demain je vais arriver, ça va être chiant. Je vais être perdue, je vais être là en mode oh là là, le défilé, ciel. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire ici? Je vais juste faire mon réappro, attendez. Les employés, je crois que c'est cher et de toute façon je peux pas, je crois que c'est niveau 10. Non, je m'arrête. Je veux juste faire un réapprovisionnement. Regardez, hop. Ouais, je pense que qu'ils prennent un truc pour 100 euros, je te jure, on leur rend pas. On rend pas la monnaie. Bah, vous savez quoi, ça, je le mets là. Ok, les prix, on va tous les faire. Ouais, un peu cher. On va mettre 5,50. Ouais, c'est bien ça. Ça, je pense que ça va être... Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oh, là on peut augmenter. On peut mettre à 7,50. C'est à moins d'un euro de plus. Ça c'est ok. Ça c'est grave ok. Grave ok. Oui, on est pas si cher. On a un magasin pas si cher. Franchement, je pense que niveau concurrence, on est bien. Ah, lui par exemple. On peut mettre ça à 8,20. On peut même mettre plus... Non, 8,20, c'est pile 0,5. 7,50. Putain, c'est cher, hein. Oh. Ok. Ça, on peut laisser comme ça. On va mettre à 4,50. Ah, c'est un quartier un petit peu riche. C'est pour ça qu'ils te rendent de l'argent, genre... ils te rendent avec des billets de 100. Ok, j'ai fait mon réappro. Regardez, je suis sage. Hop, sauvegarder. Quitter vers le bureau. Regardez, je suis sage. J'avais dit. Mais j'ai plus de pâtes. C'est une supérette, c'est normal, c'est un petit magasin local, il faut qu'on fasse notre argent. C'est normal, c'est comme ça. Voilà. Attendez, je vais mettre une petite musique de fin. Mais écoutez, le chat était grave bien. C'était trop bien, j'ai passé un trop bon moment, j'ai trop kiffé le jeu.
Les deux, même. J'ai kiffé la boîte, j'ai kiffé Alone in the Dark et j'ai kiffé Supermarché Simulator. Et en vrai, on va refaire demain. Je vous le dis tout de suite. Demain, on se retape du Supermarché Simulator. Je veux trop avancer et voir comment ça, on peut faire des trucs. Je veux trop qu'on ait un employé. Demain, objectif, avoir un grand magasin, faire masse thune et que ça marche bien tout seul. Dans le sens où il me faut un employé, un caissier et moi, juste, je fais les réapros, comme ça, on est tranquille. Donc demain, on fait du Supermarché Simulator. Je sais pas si on fait du catfish. On verra. On fait au fur et à mesure, ok? Non, c'est... Je vais le payer. Je prendrai peut-être un stagiaire, mais je vais le payer. Donc demain, en gros, moi, je vais assister à un défilé. Et dès que je rentre, je vous tiens au courant dans le canal ou sur les stories parce que ça dépend des bouchons. Bah, je lance le live. Ça vous va? Salut, Bills. Ça va et toi? Bah, je m'en vais. Je suis désolée. Ouais, faites mastune et pas mastu. Exactement. Des bisous. On se voit demain. C'était trop bien. À demain, bisous. Et vous aurez tous en tout en rediff et en best-of. T'appelles.